Hello, c'est Firos. Ah, Bonjour! Excusez-moi, un petit peu de retard. on a eu Non, c'est peur. pas mal. On Là, on est s'est en dit, avance sur le tiens, planning, on donc. va devoir commenter Trials Evolution. Non, mais c'est vrai qu'on a pris suffisamment de retard comme ça. On s'est prévu à 11h30, mais non, ça a été un petit peu avancé. Heureusement que Adam Eika a fait le travail. Donc, du coup, là, on va pouvoir commencer un petit peu plus tôt, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Oui, bah, son estimate était un peu large. Parce Oui, c'est que vrai. Les ennemis, c'est vrai. l'estimate, il y avait pas encore tous les glitches qui avaient été trouvés et tout ça, donc. Mais encore Ouais, ça va, bah, mais mais est-ce qu'il tant y a mieux, encore deux tant jours, mieux. on est d'être là à 7h du matin et on n'aurait pas Oui, c'est aimé, hein. vrai. Ah, c'est un petit peu de ma faute, hein. C'était Triss qui a un petit peu foutu le bordel. Non, Qui s'était prévu sur 1 heure, ça a duré 2 heures. mais Non, puis surtout. il y a eu d'autres, il y a Et deux, puis trois il y a jours, eu donc. les roguelikes, Et le bloc roguelike. c'est Ouais, le surtout les bloc. setups qui durent des heures. Oui, il y a eu Le quelques setups rajout de qui ont. Kirby, je pense, les 50 minutes Waouh. post-Koishi Island. Donc plein de rajouts qui ont Eux, permis c'est d'équilibrer un peu le pas planning. Parce qu'il y a grave. calé vraiment, qui arrivait vraiment à arriver un peu trop en avance maintenant, Mais pour oui, mais c'est le. pas grave, c'est la fête du speedrun qui rajoute des jeux, on a jusqu'à Ça fait dimanche la plaisir. journée. Oui, voilà. Voilà. Et puis ça évolue bien, là, on est quasiment aux 600 000 dollars de dons. C'est vrai, il reste plus que 48 heures. Hein, dans 48 heures dimanche matin, on sera à la fin du run Zelda. Et à la fin, attendue et attristée, on sera tous attristés, la fin de la GDQ. Il faudra attendre Ah, il y aura le un an bonus pour la stream. GDQ. Ouais, il Il y y aura aura le le bonus bonus stream, stream, ouais. ouais. Mais là, il n'y a plus d'argent en jeu dans le bonus stream, ce qui est. Hein, Oui, mais ça mais reste fun c'est aussi. marrant, ouais. Ça reste Puis c'est marrant. plus Ils font un, c'est pas. plus ah, comment dire, imprévisible. Voilà, je cherche les mots. Ouais, là, c'est prévisible. Et puis après, il y a toujours aussi une sorte de train de raid, en fait, qui est organisé lors des bonus streams pour passer chez différents Twitchers qui sont actifs à ce moment avec le chat et des choses comme ça. Et il y a J'espère qu'il y aura toujours. Yellow Shirt Guy. C'est une run déco, ce sera Peut-être. toujours intéressant. Ah, peut-être. On verra. Bon, moi, Bah, du coup, bon courage pour ta run de Trials Evolution. Alors, c'est pas ma run, c'est mon commentaire, hein. J'ai pas joué, Oui, c'est je The sais, Blaze mais. qui va jouer. Parce que, alors, si moi on me mettait à jouer à 13 Evolution, je passerais pas les 2 premiers niveaux, hein. J'aurais vraiment du mal, hein. Ah, Et très Dame, longtemps. t'as pas appris les bases? Ah, si, un petit peu. Je vais essayer de retranscrire sans savoir. Au mieux. Ok, bah bon courage. Ouais, Merci! bonne chance pour le commentaire et les gens du chat, n'hésitez pas à bourrer les dents. Jacques 2 ou même sur Pokémon, il y a plusieurs défis. Final Fantasy VII aussi, on a pas mal de noms en jeu. Donc voilà, Oui. ça va être intéressant. Donc voilà, Voilà, salut essayez de tout le penser monde. encore au don. Salut tout le monde. Salut, merci pour ces De rien, de rien. commentaires. Allez, on va donc partir pour le commentaire de Trials Evolution. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà eu, alors je me souviens plus, c'était peut-être il y a 1 an ou 2 ans, on avait déjà eu un run de Trials. Qui avait été montré Evolution, où on avait du All Tracks, hein, c'est aussi ce que va nous faire The Blaze, sauf que le runner, dont j'ai complètement oublié, vous voyez son pseudo, était pas forcément parmi les gros ou les meilleurs joueurs qu'on peut retrouver, alors que là, The Blaze, hein, en termes de time attack sur les différents tracks, il fait partie des meilleurs mondiaux, donc je pense qu'on va vraiment vraiment voir des choses assez extraordinaires. Plus, ce qui est bien avec Trials Evolution, c'est que même si vous connaissez pas trop le jeu, vous voyez brièvement à quoi ça ressemble, bah vous allez en prendre plein les yeux, parce que quand on sait la difficulté, alors ça se voit pas forcément dans les premières pistes, mais ça va être justement, ça va évoluer, c'est presque d'où le nom de ce jeu, Evolution. On va se rendre compte de la difficulté, de la précision des sauts qu'il va falloir opérer dans ce jeu. Alors, petite présentation de Trials Evolution, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Donc, Trials Evolution, bah, c'est la suite, hein, de Trials. Alors là, on a tout dit, hein, je peux arrêter ce commentaire. Il est sorti donc le 18 avril 2012 sur 3.6. Après, il a été aussi également disponible sur PC. C'est développé par Red Links. Alors, c'est parti, hein, d'un jeu. Un jeu était disponible gratuitement avant, on va dire, sur PC. Puis c'était une adaptation qui a été faite par Red Link, premier portage qui a eu un grand grand succès, qui a lancé un petit peu ces modes, justement, des jeux qui sont arrivés sous cette forme-là. Trials, donc, eh bien, ayant bien marché, on a eu le droit à un Trials Evolution en 2012. Trials est sorti en 2009. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de moto, de trial, hein, donc vraiment cette épreuve où vous devez, eh bien, œuvrer et jouer en termes d'équilibre, être capable de faire des choses assez assez folles, hein, en termes même de gravité, de choses avec votre moto, hein. Donc on reprend les principes de l'épreuve, même si vous allez voir qu'au début du jeu, c'est pas encore ça qui va primer. On va avoir des circuits longs avec beaucoup de pistes, alors que après, plus on va évoluer dans la difficulté des pistes, justement,
Et on va retrouver ce côté eh bien, Trials avec des obstacles, plein de choses, vraiment, on va jouer avec l'équilibre, la balance, le poids de son moto, de sa moto. Et c'est ça qu'il faut tout de suite noter dans le gameplay de ce jeu, c'est qu'en fait, vous ne contrôlez pas la direction. À la foutre, hein, vous êtes sur un rail. Ça marche, voilà, comme un petit train sur un rail, c'est un petit peu le même principe. Vous ne décidez pas quand ça tourne, vous en occupez pas du tout de ça. Vous pouvez faire que accélérer, freiner et parce que sinon ça serait un peu compliqué, jouer sur la physique du pilote de votre moto. Et c'est là où est toute la clé du gameplay de ce jeu, parce qu'en pouvant justement influencer sur le fait de se pencher en avant sur sa moto ou en arrière, vous allez donc pouvoir jouer sur les mouvements même de votre moto et ça va vous permettre de franchir ou non les obstacles, couplé à ça donc l'accélération bien sûr et les freinages que vous allez pouvoir faire, donc toute la gestion, le dosage. Donc c'est un jeu qui demande énormément de précision. Vous allez voir donc que c'est un environnement dans un environnement 3D, mais le jeu se joue en fait en 2D. Même si la caméra va un petit peu moins changer, elle a un petit peu trois quarts, si vous voulez. La moto n'est pas tout à fait vue de profil, mais en tout cas, voilà, comprenez bien que vous ne pouvez à aucun moment influencer sur la direction. Vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est essayer. Alors là, d'autant plus pour The Blaze, c'est d'aller vite. On reparlera des différentes techniques pour permettre de faire ça quand le run aura commencé. Et donc, de passer les obstacles, ce qui est déjà pas mal. Donc, vous allez voir différents tracés qui vont évoluer en difficulté. Donc le base et le jeu est assez difficile, hein. Il faut quand même le dire, terminer les dernières pistes, ça relève déjà en soi du challenge. Et là en plus, le joueur bien va tout enchaîner. Ce qui est par contre intéressant, c'est que dès que vous sentez que vous avez raté, vous pouvez tout de suite relancer, hein, en un éclair. Vous pouvez même le faire à n'importe quel moment du jeu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir une sorte de game over. Alors rappel, le game over, c'est quand vous touchez terre avec votre pilote, en sachant, on reparlera aussi de l'importance de la tête de ce dernier. En fait, vous pouvez frotter le corps de votre pilote, on va dire, un peu sur le circuit, hein. Ça va pas forcément déclencher un game over. Par contre, à partir du moment où la tête touche le sol, là, ça va être eh bien, l'arrêt et il faudra tout de suite reprendre. Mais vous pouvez, bien sûr, à tout moment vous-même influencer sur ça, c'est-à-dire relancer parce que vous sentez que vous n'avez pas pris assez d'élan, que vous n'êtes pas bien parti ou parti trop vite, justement, et pas dans la bonne impulsion. Du coup, hop, un petit appui sur un bouton et ça va bien tout de suite. Par contre, vous allez, bien sûr, perdre un petit peu de temps. Et vous pourrez pas avoir la meilleure récompense. Là, encore une fois, on va jouer au temps, donc on s'en fout un petit peu d'essayer d'obtenir tout sans faute. Même si vous allez voir qu'à la vitesse où il va aller, il va avoir certainement des médailles assez élevées, hein, parce que The Blaze, voilà, c'est quand même pas n'importe qui. Il y a un système de médailles, donc. Qui va justement dépendre du que vous allez mettre pour compléter les différentes pistes. Alors il y a pas mal de choses, hein, dans Trials. C'est vrai qu'il y a eu des DLC. Premier, je crois, il y avait même eu un DLC gratuit. On a pas mal évolué. On peut customiser nous-mêmes nos pistes. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. Il y a pas mal d'autres défis. Vous devez faire le saut le plus long aussi. Dans le jeu, enfin, il y a pas mal tout un tas de mini-jeux, hein, autour de Trials. Il n'y a pas uniquement qu'on va voir ce qu'on pourrait qualifier du mode principal, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il y a aussi un leaderboard, hein, qui fait partie du jeu. Alors, leaderboard, plutôt contestable. Vous savez qu'il y a certains qui sont soupçonnés d'avoir cheaté avec leur temps ou leur score. Bon, bref. Donc, on va pas rentrer là-dedans. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir où vous vous situez. Il va y avoir un leaderboard par plateforme aussi, hein. Donc, c'est vrai qu'il est aussi un peu difficile de savoir où on se situe puisqu'il existe plusieurs leaderboards. Donc, suivant sur la version que vous jouez, sur la plateforme sur laquelle vous jouez, ça ne va pas être forcément les mêmes temps. Bon, là, on va jouer sans problème sur Xbox 360. Il n'y a pas trop de soucis. Je pense pas que le joueur va jouer sur PC, hein. Personne d'ailleurs joue sur PC grâce à la magnifique interface d'Ubisoft. Enfin bref, donc c'est d'ailleurs un des problèmes, hein, du dernier Trials Fusion. On reviendra aussi, peut-être, on parlera un petit peu de la physique de Trials Fusion, ce qui fait que les très bons joueurs de Trials Evolution ne sont pas forcément passés sur Fusion ou reste loin en fait de Fusion avec son système pour y jouer et puis aussi sa physique qui plaît peut-être pas forcément à tous les joueurs. Alors, on est en train de faire les derniers setups là. The Blaze se concentre, il respire. C'est bon, on lui dit est-ce que c'est ok? Regarde là, tu as un écran, quand tu le regardes, il y a des choses qui bougent et tu vas pouvoir jouer. Ah ok, super. Donc on le voit. Il a l'air jeune, hein, d'ailleurs, tout jeune. C'est la première fois que je le vois, perso.
Je savais pas en même temps, mais c'est vrai qu'il a l'air très très vieux, hein, vu comme ça. Alors, c'est vrai que dans la discipline de trials, bon, c'est surtout enfin, ce qui prime, on va dire, ce qui est le plus joué, c'est du multisegment. C'est-à-dire que ça va être vraiment du time attack piste par piste. Les joueurs vont s'entraîner jusqu'à l'écœurement sur une piste pour obtenir le meilleur temps, puis après passer à une autre. Là, il va enchaîner toutes les pistes. C'est un petit peu moins fait. Alors, c'est vrai que vous avez sans doute suivi, vous suivez les streams de Damdam quand elle jouait encore à Trials Evolution. Et c'est vrai que voilà, Damdam, elle était partie avec l'objectif d'enchaîner tous les circuits. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir. Alors, en fait, dans ce qui avait découlé, je vous dis, d'une AGDQ ou AGDQ. Précédente, où on avait dû justement sur Trials Evolution déjà un joueur enchaîner les pistes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de temps de référence. Alors on a un temps qui est français, qui est détenu par Gunners. Je crois qu'il est de 58 minutes, quelque chose comme ça. Et même son run n'est pas encore parfait parce que c'est vrai que les joueurs habituellement, voilà, dans la communauté Trials, ne font pas ce genre de défi en fait. Ils n'enchaînent pas toutes les pistes de cette manière-là. Donc là, c'est un exercice un peu particulier. Alors, ça ne pose pas vraiment de soucis, mais c'est vrai que ça veut dire que quand vous planifiez ce genre de run, vous envisagez de faire toutes les pistes, il va falloir envisager de jouer beaucoup plus sûr. C'est-à-dire que quand vous êtes un joueur du time attack, du multisegment, vous allez en règle générale adopter les techniques les plus critiques, les plus difficiles, les plus tueuses de temps quand elles passent pas, parce que vous savez qu'après il n'y a rien et que c'est sur une période très très courte. Un track, hein, voilà, ça peut aller très très vite, une piste, ça peut durer 30 secondes, voilà, il y en a une, bon, qui est beaucoup plus longue. Ça va dépendre. Mais en fait, grosso modo, quand vous abordez ça, vous jouez de manière très critique. Critique dans le sens, vous êtes au bout du bout, hein, pas genre, oh là, ça me plaît pas, j'ai un argument à proposer qui va à l'encontre de ça. Non, rien à voir. C'est pour dire que, en fait, les joueurs vont prendre tous les risques pour aller gratter tout ce qu'il faut en termes de temps. Et ici, quand on fait du All Tracks, bon, bah, on va jouer un peu plus cool avec des stratégies un petit peu moins agressives, même si je pense que The Blaze va quand même nous montrer quelques trucs assez assez violents, parce que il faut aborder. Bon, là, on a prévu, je crois que l'estimate est à 1 heure. Ouais, il devrait être à peu près dans ça. Je pense qu'il sera un peu en dessous quand même, sans trop de problèmes. Alors, à moins que voilà, il se fasse vraiment troller par le jeu. On verra. Il y a des petits trolls possibles, mais je pense qu'on devrait être bien dans l'estimate. Et c'est vrai que voilà, même bon, lui, je sais pas ce qu'il a prévu, je pense qu'il va faire quand même un peu le show parce que ça reste la GDQ, faut en montrer, ça reste très très impressionnant. Vous allez voir Trials Evolution, même si vous connaissez pas, vous allez voir que les sauts, c'est un peu comme dans un jeu de plateforme en fait. Ça va pas tarder à partir, ça y est, Crash Country, Kunti, pardon. Ça y est, on va partir. Voilà, donc là on voit 40 licences qu'on peut jouer. Donc on commence une sorte de new game, mais qui est pas tout à fait du new game, puisque il va certainement utiliser, je pense, les meilleures motos pour faire le passage. Donc en fait, c'est quand même plus du new game plus parce que certaines motos sont vraiment plus rapides que d'autres, ont des propriétés qui vous permettent justement d'avoir une grosse accélération ou justement vont être plus sensibles. Donc, il va faire un choix. Ça y est, il démarre. Ah non, alors en fait, il démarre avec la moto de base. Ok, donc il va faire un vrai new game pour le coup. Je ne sais pas. Vraiment. Parce qu'il démarre avec la 125. Il fait même les licences. C'est assez drôle. Je pense qu'il va expliquer quelques trucs. C'est pour ça. Ah, il a un petit souci. Alors malheureusement, il a beaucoup de lag. Apparemment, son jeu, vous voyez, ralentit pas mal. Il a à peine démarré qu'il a dit il y a quelque chose qui va mal. Il n'est pas rassuré, hein, le pauvre. Hein. S'il vient de lancer, qu'il a fait qu'est-ce qui se passe là? Ça lag, bordel. On est où? On est où? Technicien, s'il vous plaît. Est-ce qu'il peut redémarrer? Donc là, petit problème technique. Donc ça y est, on a appelé le Pat Le Gain de la GDQ qui va arriver, qui va réparer ça avec ses doigts magiques. Ah, ça y est. Décidément, je dois porter la malchance, hein, au runner. À chaque fois que j'arrive, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, quand même, essayez d'avoir des jeux qui marchent. On a déjà assez de retard. Alors, si en plus, quand le setup se passe bien, c'est pour avoir un jeu qui ne marche plus, moi, je me casse. Je me casse. Hein. J'ai une émission à Gaming Live à faire. C'est pas tout ça. Faut que j'aie gagné du pognon.
Ah là là là, ouais. C'est vrai que à chaque fois que j'arrive, il y a un problème entre Crypt of the Necrodancer où le runner est mort juste à la fin alors qu'il avait fait quasiment tout le jeu, qu'il avait fait sur son first try, sur ce roguelike mélangé de rhythm game, bim, il meurt. Tetris, ils en finissent plus de brancher le setup. Et là, bah ça lag. Que voulez-vous dire? C'est horrible, hein. C'est horrible. C'est horrible, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais c'est horrible. Hein. Oh là 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 là. Oh, on dirait un stream gaming live là, tellement ça se passe mal quoi. Ça lag, ça arrive pas à démarrer. Oh. Bon, alors, il est en train de un petit peu de savoir, de régler le problème. Est-ce qu'on appelle Ubisoft pour jouer sur PC? La question qu'ils sont en train de se demander. Ah, ça y est, apparemment, ça a l'air d'être mieux. Ça y est, ça y est, ça y est, c'est réparé. Parfait. Parfait, voilà. MacGyver a réparé tout ça. Allez, on repart. Donc, a priori, on est parti pour un new game puisque tout est verrouillé. Vous avez vu qu'il va même repasser les licences. Pas ce qu'il va nous expliquer. Voilà, c'est ça. En fait, il fait une petite démo pour expliquer les principes basiques du jeu et les contrôles. Voilà, donc là, il fait une petite présentation. Voilà ce qu'il expliquait tout à l'heure. Il y a des mini-jeux. Également, il vous a montré légèrement la physique. Il vous montre tous les petits mini-jeux dont je vous parlais. Alors, en effet, celui-ci qui est assez drôle, vous vous retrouvez dans une boule. Alors, vous savez, on a des fois des. Enfin, il y a dans des cirques des choses comme ça. Enfin, des cirques. Peut-être pas forcément, mais on voit des gens qui font justement de la moto dans des sphères comme ça grillagées. Ça reste assez impressionnant où ça tourne. Et là, ils ont pris un peu le même principe. Et donc, c'est votre accélération, bien sûr, qui gère l'avancée de la boule en sachant qu'il faut mieux éviter de trop faire n'importe quoi à l'intérieur et d'essayer d'aller le plus rapidement, bien sûr, dans ces défis. Donc là, il explique le système des médailles. Donc voilà comment ça va fonctionner. Donc vous avez aussi, vous voyez, du saut à ski magnifique. Vous partez sur la moto avec des skis et après vous devez faire le saut le plus long possible. Donc voilà, il y a tout un tas de choses. Et de mini-jeux. Assez sympa. Allez, là, il nous montre là où on part avec une sorte de nitro. Hein, c'est pas mal, hein, c'est mieux que la voiture de Fantomas. Là, comme ce, une moto qui part en espèce, vous voyez, comment dire, d'enchaînement de pée-flamme. Comme après un repas un petit peu chargé, hein, les fêtes n'étant pas très très loin, vous devez avoir des souvenirs de ce genre. Et là, il enchaîne, vous voyez, les anneaux de feu. Ah, c'est assez spécial. C'est assez spécial. Ah, ça repousse complètement cette vieille série Tonnerre Mécanique. Hein. Là, ils peuvent se rhabiller. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette vieille série Tonnerre Mécanique. Il y avait très très peu d'épisodes. D'ailleurs, je crois que c'était pas dans cette série où il y avait un épisode où apparaissait George Clooney alors qu'il était tout jeune et tout moche. Avant qu'il se fasse relifter les. Pardon. Ça, il faut pas en parler. Bon, voilà. Alors là, on voit la première vraie piste du jeu, en fait. Alors je sais pas ce qu'il va nous faire parce que du coup il a demandé de lancer le chrono et il nous fait une petite série de choses où il montre différents trucs. Donc il va faire vraiment une exhibition du jeu, hein, je pense. Voilà. Donc là il explique en fait grosso modo voilà tout le gameplay. Vous voyez avec la possibilité de faire des avant-arrière avec votre personnage. Alors qu'on dans le jargon et dans le milieu de Trials Evolution ils appellent ça du bunny hopping. Je trouve pas que le terme ça reprend un petit peu l'idée, mais c'est vrai que le bunny hopping quand même reprend plus l'idée de saut de lapin avec la plupart du temps des zigzags donc des strafes aériens où il y a une conservation de l'inertie issue des déplacements dans les airs. Comme vous avez pu voir, bah, vous avez eu un segment Portal 2 il y a quelques heures. Vous avez pu apprécier ça, le bunny hopping de Zernanicus. Mais c'est vrai que bon, voilà, ils appellent ça comme ça. Donc, le fait de pouvoir jouer avec avant-arrière, en fait, de votre pilote, eh bien, ça va vous permettre de guider plus ou moins votre moto. Donc, la traction, bien sûr, la traction, c'est-à-dire votre moteur, hein, là où la puissance, le couple de votre moto se trouve sur la roue arrière. Donc, on va essayer au maximum de ratterrir sur la roue arrière en jouant justement avec la position de votre pilote sur votre moto. Mais vous allez pouvoir aller plus loin, puisque pour franchir des obstacles, il va falloir aussi être de faire des petits bonds à votre moto pour justement qu'elle franchisse ces obstacles ou qu'elle s'arrête dessus ou avoir l'inertie suffisante, le petit coup de rein, hein, comme dans d'autres disciplines, pour réussir, si vous voulez, à franchir un obstacle, un pneu, un peu n'importe quoi. Souvent, il y a des barils, vous allez voir que ça va être de plus en plus
de plus en plus apocalypse, les mondes qu'on va voir. C'est vrai que la grosse particularité aussi de Trials Evolution, beaucoup plus de décors en extérieur et beaucoup plus grand en fait. On était très très refermé dans le premier Trials, c'était plutôt assez clos. Là, on a vraiment des grandes étendues extérieures. Vous voyez, c'était plutôt fermé comme ça dans des locaux, le premier. Et on va retrouver ça, bien sûr. Mais là, on va avoir des pistes quand même beaucoup plus longues, même très 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 grandes, où il faudra avoir pas mal d'endurance. Alors là, vous voyez peut-être des petits checkpoints s'activer. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu des sortes de piliers où il y a une lumière verte qui s'active une fois qu'il est activé. Donc ça, c'est les checkpoints. Ça va permettre de reprendre à ces endroits-là si vous avez un souci. On pourra aussi peut-être expliquer si on en voit. Alors, étant donné que là, il nous fait toute une série de petites démonstrations, on va voir un petit peu à quoi on va avoir droit. Mais c'est vrai que quand on fait les pistes principales, voilà. Donc là, on voit par exemple, hein, vous voyez qu'avec la plongée du corps vers l'avant, on a tout de suite pu faire plonger justement cette roue avant pour éviter de partir trop. Un des principes dans le speedrun, ça va être donc d'enchaîner ces techniques pour essayer de coller au maximum à la piste, de pas trop partir en hauteur, mais plutôt devant vous, bien évidemment. On n'en a pas encore vu, il nous en a pas encore forcément montré, mais il y a d'autres techniques qui permettent justement de conserver cette vitesse pour ne pas perdre de temps. Il va falloir vraiment toujours aller devant. Vous comprenez que bien sûr, si vous faites des sauts qui vont aller très haut, bah, tout ce que vous gagnez en hauteur, vous le perdez en avancée sur votre circuit. Donc le contraire, c'est qu'il va falloir faire des sauts qui partent véritablement devant. Il faut avoir l'image du saut en longueur dans sa tête. Vous imaginez bien que il faut gagner une certaine hauteur aussi pour sauter très loin, mais si vous sautez, vous faites que sauter le plus haut possible, vous n'allez pas gagner en longueur. Et là, c'est le même principe, c'est pas du saut à la perche, c'est vraiment du saut en longueur. Donc il continue à nous montrer un petit peu toutes les phases beginner différentes choses. Il développe en passage, voilà, il prend d'autres motos. On vous dit aussi les aspects du jeu, c'est que vous avez différentes motos qui ont des particularités. Certaines vont accélérer beaucoup plus vite, sont plus légères, donc il faudra vont pas se manier de la même manière, et il va falloir choisir sa moto de façon adaptée par rapport au circuit qu'on veut. Est-ce qu'on veut beaucoup d'accélération ou est-ce qu'on veut quelque chose de plus maniable pour réussir à passer les obstacles? Ah, la belle accélération, vous voyez, un petit peu toute l'idée là du gameplay. On finit alors toujours, oui, savoir que les fins de piste, hein, c'est du crash test à la fin. C'est complètement ça. C'est vous foncez dans le décor, vous passez à travers des vitres, il y a des grosses explosions. C'est vrai que souvent c'est violent, hein, la fin des pistes ou des tracks pour le pilote qui est sur sa pauvre moto mais qui va quasiment à l'abattoir à chaque fois. Hein. Voilà, donc là, encore une fois, on voit bien le principe de base. Bon, là, il a fait un petit saut, mais il pouvait pas vraiment l'éviter. Il aurait pu ralentir plus, mais du coup, il aurait pas gagné assez de longueur, donc ça serait pas très intéressant. Et on voit toujours ce principe, hein, de remettre sa moto sur la roue arrière pour tout de suite regarder, en fait, pour recouvrir tout de suite l'accélération dès que vous touchez le sol pour tomber sur la roue motrice, histoire de repartir sans perdre de temps. Voilà, donc là, c'est assez marrant, on transporte, donc là, il passe à Dakey, hein, pour débloquer. Là, il sert vraiment à tout débloquer. En fait, ouais, il est vraiment parti dans l'objectif d'un new game, en débloquant pas mal de choses. Donc, on avait une remorque qui transportait des explosifs. Il faut pas qu'elle soit trop secouée, cette remorque, sinon, c'est le drame. Là, voilà. Quand je disais que pour le pilote, ça peut se passer mal. On a un petit défi où vous avez le nombre d'os cassés qui est indiqué, vous voyez, bones broken, et vous devez en faire casser le plus possible. Donc voilà, il y a tout un tas de petits mini-jeux avec du scoring, hein, donc vous allez y revenir à ce jeu. Il y a bien sûr une replay value assez grande, même quand on n'est pas un super player, même si voilà, il y a en effet aussi une grosse communauté de très très bons joueurs. Vous pouvez vraiment vous amuser, vous délecter de ce jeu juste pour le délire, à essayer de faire le plus de mal à votre pilote. Alors ça reprend un peu le principe d'un pain, ça pourrait être un peu l'idée. Certains petits jeux sont dans cet esprit-là. Voilà, là, le pilote avait littéralement le feu au cul. Il continue à débloquer tout ça. Attendez, j'ai récupéré ma bouteille d'eau qui est trop éloignée de moi. Je vais m'absenter. Il va avoir un petit blanc, mais ne vous en faites pas, ce n'est pas sale. Voilà. C'est bon, j'ai, dans un geste de contorsion digne des meilleurs gymnastes biélorusses, j'ai réussi à attraper ma bouteille d'eau.
Il faut savoir que je faisais partie de la compagnie Les Frères Miroslav Le Cul, donc très grande partie, très grande troupe d'athlètes dont la souplesse légendaire n'est plus à prouver. Allez, on est parti. Ah, bah voilà, donc Super Monkey Ball. Alors, vous êtes donc ici suivre le commentaire VQ 2015 de Super Monkey Ball Trials Evolution Edition. Vous voyez, donc ça se passe pas mal. On voit bien la récupération des bananes qui est bien partie. Bon défilement. Regardez cet aspect rotatif avec la forme sphérique et une progression sur le tuyau impeccable. Oh là là, regardez cette dextérité. Attention à cette plateforme quand même mobile qui réserve quelques surprises. Oh là là, il a rien passé juste au bout du bout, regardez cette utilisation incroyable de la physique de cette couille, on peut le dire, qui progresse très bien. Voilà, attention là, la bordure, parfait. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, ce saut, on rebondit. Ah, c'est bon, ça passe. Oh là là, on s'amuse un petit peu. Hein, c'est voilà. Donc vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez aussi jouer à Super Monkey Ball quand vous achetez, quand vous jouez à Trials Evolution. C'est fort, hein, c'est fort. First saw Trials Evolution back at AGDQ 2013 and now it's one of my favorite games. So glad to see it. Allez, on continue, on reprend une moto cette fois-ci, c'est plus classique. $10 from Professor Bagues says what you guys are doing is amazing. My mother had breast cancer a couple of years ago, but luckily she was able to fight it off. Allez, bon là, il débloque. Avec sa petite moto, elle est bleue, elle va mieux. Attention, ce saut là au milieu de ces torches. Ah non, il n'a même pas fait de saut, encore une fois, voilà. Là, vous avez vu ce grand tremplin avec une énorme pente, bah, le runner ralentit volontairement, juste pour passer en gérant, donc encore une fois, le corps de son pilote. Vous voyez d'ailleurs, sur les démarrages, on l'a bien vu là. Dans les démarrages et un petit peu après, regardez ces mouvements, vous voyez où le bassin avance fortement de ce pilote, hein, comme s'il avait envie de nous faire une déclaration, de nous montrer quelque chose. Et ça permet comme ça de contrôler sur l'orientation de sa moto et surtout d'éviter, là, comme vous l'avez vu sur la piste précédente, de prendre cet énorme tremplin qui allait l'envoyer dans les étoiles, un peu plus près des étoiles, Gold. Bah, d'ailleurs, oui, c'est ça, hein, Gold Edition, le groupe. Et c'est bien sûr la technique de base, vous le comprenez, c'est très visuel pour aller plus vite. Donc là, il y a des petites explosions. Alors oui, vous avez des petites surprises, hein, quand vous faites les différentes pistes. Vous pouvez être amené à casser du verre, à passer au milieu d'explosions. Il y a pas mal d'obstacles qui bougent, qui sont amovibles ou qui vous avez vous-même à bouger ou qu'il faut passer dans un timing précis parce que sinon après ça va être la chute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez sauter sur des tronçons de bois aussi, dont il faut bien maîtriser les passages. Il y a énormément de petites choses à gérer avec l'environnement en fait, hein, qui fait aussi complètement partie de votre piste. Vous n'êtes pas juste une piste comme ça où il n'y a rien, où c'est le désert. Hein. Non, non, il faut penser que vous allez être embêté. Voilà, donc là on vous explique le bunny hop. Donc c'est même marqué dans le jeu. C'est vrai que j'ai oublié qu'ils appelaient ça bunny hop dans le jeu en fait. Vous voyez. Mais c'est vrai que je trouve que le nom est pas forcément le plus parlant. Enfin moi quand on parle de bunny hopping je pense pas forcément à ça, donc je comprends l'idée hein, parce que c'est conserver l'inertie du corps du pilote, mais c'est pas voilà. Donc là voilà. Ah, il a pas fait complètement, c'est bizarre. Alors une technique qui peut être utilisée, ça peut être de faire donc des flips avant et flips arrière, oui ça peut être utilisé aussi, mais donc de faire un salto avec votre moto, voilà, comme là. Alors ça c'est pas pour faire des points genre figure de style, hein, on n'est pas dans Tony Hawk ou autre jeu, Cool Borders ou je sais pas, SSX, hein, ça a absolument rien à voir, hein, c'est que c'est vraiment une technique, hein, qui permet de conserver sa vitesse. Donc dans votre élan, vous progressez vers l'avant quand vous faites votre flip avant, et quand vous atterrissez, vous êtes sur la rue arrière, et ça vous permet comme ça de conserver votre vitesse en ayant encore une fois, n'étant pas trop parti. Donc là on est vraiment parti dans les pistes et dans la succession des pistes. Vous voyez là, ces petites déposes de roues là, juste sur la poutre métallique, juste sur son début pour rééquilibrer sa moto et tout de suite regagner de l'accélération, être précis là, sa dépose. Alors bien sûr, vous devez constamment gérer toutes les distances dans le jeu, vous devez savoir à peu près où vous voulez atterrir pour pas être freiné, pour trouver la meilleure accélération. Et c'est vrai que là, on a vu hein, la précision redoutable, et donc là, on a vraiment attaqué, hein, ça y est. On est enfin parti, ça va enchaîner un peu plus, donc là, on commence par des pistes assez faciles.
Même si le saut voyait très 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 élevé là. Bon, alors là, on va essayer de piquer tout de suite vers le plus bas, enfin vers le bas, le plus tôt possible, mais en mettant, vous voyez, sa moto un peu à l'horizontale pour que, eh bien, l'utilisation de l'amortisseur, hein, parce que c'est ça aussi qui est utilisé dans le bunny hop, c'est le fait que lorsque vous basculez en arrière et que vous remettez votre popotin sur la selle, là, du coup, vous activez l'amortisseur arrière, ça le compresse et du coup, vous allez utiliser la détente de l'amortisseur pour repartir avec ce petit bond. Allez, là, piquer en avant, parfait. Voilà, on fait attention de pas trop atterrir bien sûr sur la roue avant et hop, on franchit, voilà, la tête de première. Donc vous pouvez, alors sur les franchissements de fin de piste, attirer votre attention là-dessus. Je l'ai déjà expliqué au début du run, mais vous n'avez peut-être pas fait attention. Il est possible de... enfin, c'est la tête qui compte, donc il faut passer la tête. La première pour valider. Donc vous en foutez en fait, parce que ça va, même si votre perso touche, il va en règle générale, si c'est bien timé, passer la tête juste, si tu voulais, sur la ligne d'arrivée, et la tête va toucher après, mais ça ne va pas être compté comme la mort en fait. Donc ça va, et ça va permettre d'aller plus vite parce que c'est la tête qui déclenche la fin, hein. C'est quand votre tête passe la ligne d'arrivée que ça déclenche la fin de ce... De la piste. Voilà, juste, vous voyez, un peu passé dessous, mais vraiment à l'extrême limite pour quand même faire un saut qui le propulse suffisamment. Il a juste passé au millimètre sous la barre. C'est pas mal, hein, c'était assez chouette. Là, on voit Red Links qui est marqué sur les côtés. Allez, on passe sur une autre piste. Toujours, c'est le même démarrage. On évite des fois le petit saut, la petite phase bosselée aussi. On va éviter de prendre toutes les bosses. On va essayer de skipper des tremplins, des bosses, hein, bien évidemment, encore une fois, pour des raisons de vitesse. Là, là, c'est pareil, vous voyez, il skip certaines bosses. Il a donc tenté de faire ici, vous avez vu, un flip, hein, pour essayer de gagner un petit peu de temps et justement ne pas se payer toutes ces bosses-là. Et ça lui a quand même permis, hein, de passer assez vite, même si là, Blaze s'est plaint de l'avoir fait un petit peu lentement, en fait, ce salto. Alors, il va y avoir différentes surfaces. C'est vrai, voilà, encore on voit les flips là, pour gagner un petit peu de vitesse. Il y a différentes surfaces qui vont être plus ou moins à gérer dans le jeu, mais ça n'est pas de la principale occupation, sauf quand c'est des surfaces, voyez, qui bougent, comme on en verra plus tard dans le jeu. Et c'est vrai que ça se passe principalement sur le dosage. Hein, voilà, regardez, ça dose, là, ça l'accélère un tout petit peu. Là, on monte, hop, petite accélération pour faire juste un tout petit saut sur ce tremplin. Ouais, c'est très très visuel, Trials, on va voir d'autant plus. Alors on se rend compte aussi que les pistes comportent de plus en plus de pièges et de phases avec des sauts en atterrir à des endroits précis. On va se retrouver de plus en plus dans la configuration du trial réellement. Parce qu'au début, vous voyez, on a un jeu où il y a quand même des pistes, où c'est beaucoup plein en fait. Enfin, comment dire, il n'y a pas vraiment de saut et ça va beaucoup plus vite. C'est presque un peu un jeu de course dans un premier temps. Par contre, plus on va évoluer dans des coupes difficiles, là, plus ça va être autre chose. Là, hop, petit passage, encore une fois, l'utilisation des flips. Là, voilà, on ne fait pas un grand saut. Encore une fois, on essaye de passer le plus vite possible l'avant de sa moto autour du tremplin qui part très vite dans les airs pour, voilà, grâce, encore une fois, à l'utilisation avancée des bunny hop pour ne pas perdre de temps sur ce genre de plateforme. Parfait, il atterrit juste au milieu des plaques. Là, c'est pareil, hein. Si vous dosez mal, bah, vous n'atterrissez pas au bon endroit, du coup, ça va modifier votre accélération, votre reprise d'accélération, ce qui fait qu'après, bah, du coup, vous pouvez avoir un saut trop long ou trop court, et s'il y a un obstacle qui se présente, c'est la galère. Donc, il faut vraiment voir toute la précision, hein, même si là, on n'est que dans les pistes easy, il y a tout un tas de techniques, hein, qui sont mises au point pour réussir à passer le plus rapidement possible. Voilà, là par exemple, vous voyez, il a choisi de ne pas prendre, bon, en plus on est en début de piste, donc on peut pas avoir une grosse accélération, mais on a vu qu'il a tout de suite basculé sur le tremplin, il a carrément pas accéléré, il a juste fait passer le corps du pilote autour de cette première avancée, pour descendre tout de suite à la suite de la piste et pas perdre de temps dans les airs. Alors, on passe sur des tuyaux qui se détruisent, donc faut avoir appris son point d'accélération un peu tôt. Là c'est pareil, hop, on passe juste au-dessus. Et explique tout le système, bien sûr, freinage, ça, les points où il faut
arrêter cette piste aussi qui est tout début. Oh, ce passage, il a bloqué sa moto. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on reverra sur certains tremplins. En fait, il peut pas le passer celui-là. Donc directement avec son premier saut. Donc il arrive à bloquer sa moto. Si vous voulez, entre les deux roues, pas au niveau du garde-boue, hein, mais vraiment. Entre le, je suis pas un gros technicien de moto, mais vous voyez, entre la passe de la carcasse de la moto qui passe au-dessus, voilà, c'est bien passé. Il a passé ce passage qui est pas forcément évident, et bien réussi à atterrir juste où il fallait. Et donc, du coup, il y a cette technique qui vous permet de bloquer un peu la moto. Et vous, comme vous pouvez avoir toujours accès au poids, donc à la manipulation du corps de votre pilote, vous arrivez comme ça à la faire partir à l'avant et ça la bloque sur le tremplin et ça permet de passer à la suite. Très bien fait, là, cette conservation et ce blocage. Et on verra qu'il y a d'autres choses aussi. On va essayer carrément de passer le garde-boue à l'avant, enfin, le faire devant le tremplin. Là, série de sauts classiques, comme on en a vu énormément hein, déjà depuis ce début à la piste Easy. Voilà, on sort la piste qui est courte, ici pas grosse accélération, vous voyez, pour juste passer deux petits obstacles, pareil, par haut, alors celui-là, grosse pente hein, sur cette fin de circuit. On veut pas trop décoller, on va aller au plus vite possible vers la fin. Donc juste doser ce qu'il faut pour passer suffisamment, vous voyez, au-dessus, sans se retrouver à perpète dans les airs. Ah, il enchaîne. Ou alors il y a beaucoup de voitures cassées. C'est vrai que c'est très désœuvré, hein, les décors de Trials. On est dans des décharges au milieu de sites de construction. Même si à un moment on est passé un peu dans la forêt tout au début. On va voir aussi qu'à certains endroits on aura moins de visibilité. Ah, parfait, bon atterrissage. Bon, ça, c'est pas forcément la chose la plus difficile. Alors, ouais, vous avez votre pilote qui se met à crier quand le saut, même à lui, lui fait peur, qu'il n'est pas rassuré. Hop. Terminal Velocity, dans cette nouvelle série, voilà. Les motos qui se débloquent. Enfin, il a pris surtout l'autre moto. Une autre moto, hop. Descendre des escaliers avec sa moto, tranquille. Voilà, donc encore. Oui. Sefi, tu m'entends? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui, je t'entends. Je disais juste, visiblement, il y a un tout petit décalage dans le stream. Bonjour, bonjour à tous. Oui, j'aimerais savoir bonjour. Où tu en es, toi, dans le chrono. Ah, dans le chrono, je suis à 20 minutes 48, là, qui vient de passer. Ah 49. Oui, donc en fait, c'est toi qui es en retard, là. Okay. Ah, je suis en retard. Ouais, tu es en retard. Essaye de monter la résolution. Alors, attends, je vais essayer de passer. Bah, ouais, j'étais en maxi, donc justement, non, je vais faire le contraire. Ouais. Je vais faire le contraire, je vais la diminuer. Attends, je vais carrément refresh ma page. Ouais, refresh un coup. Refresh. Ah, désolé, alors si j'avais un petit retard, c'est vrai que ça devait pas être très agréable. Ouais. Bon, en fait, t'avais. Là, je suis à 21:30. Eh ben voilà, bah, là vous êtes synchro. Okay. Allez, d'accord, bon. Parfait, merci. Allez, beaucoup. Bon run. Merci. Ouais, c'est surtout à Blaise qu'il faut dire ça. Allez, donc on repart dans ce run. Désolé pour le. Je suis toujours en retard, voilà. Le run était déjà fini, je vous commentais. Hein. On était déjà en train de voir Metroid Prime. Et j'étais toujours en train de vous commenter Trials Evolution. Hein. Commentateur qui ne speedrun pas, hein. Pas du tout. Ça doit être ça. Bon, alors donc là, on a fini cette piste. Donc on va pouvoir repartir de manière beaucoup plus synchronisée. On va rester en médium en espérant qu'il n'y aura pas plus d'autres décalages. Donc là, vous voyez beaucoup plus de petits obstacles et surtout de petits sauts. Et on va avoir une phase. Voilà, hop, on est propulsé par cette plateforme. Donc quand on arrive dessus, elle se déclenche. Ah, hop là, oh là, là. Et là, il se freine en utilisant la bordure du haut parce qu'il ne veut pas chercher à passer par le haut, ce serait plus lent. Et du coup, il en profite pour faire un petit flip, comme vous avez vu. Et il retombe, ça sent la piste, sur la piste, sans aucun souci. Allez là, ah ouais, alors ça c'est assez intéressant. Donc là, vous voyez, vous n'avez pas trop de temps à perdre. Vous faites un petit looping, mais en même temps, cette portion du circuit se déplace. Donc elle arrive pile poil dans le timing. Et là, on essaie de la prendre la plus vite possible, bien sûr. Hein. Il essaye de doser ça au mieux pour arriver le plus vite possible dans son élan et continuer sans perdre la moindre seconde. Allez, il démarre. Pas encore au milieu du bois. On retrouve le thème de la forêt qu'on avait tout à l'heure.
might imagine that, hey, there's only one way through these tracks. No, there's like 20 or 30 different paths. Hop. Alors c'est vrai que vous pouvez avoir différentes techniques hein, pour passer un même circuit. Ça va être avec votre aisance. Certaines sont vraiment vraiment plus rapides. Après, certaines autres vont scier mieux un joueur qu'un autre, parce que ça va être aussi votre impression, la moto que vous aimez jouer. Et c'est vrai que après, il y a encore beaucoup de possibilités en fait, parce que chaque point d'accélération peut être différent. Donc votre stratégie peut être différente et vous faire gagner du temps à un endroit, mais vous faire perdre à un autre. Donc il y a vraiment plein de créativité à avoir dans ce genre de run pour essayer de trouver qu'est-ce qui va être le plus optimal. Alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de joueurs. Autre chose qui est très intéressant, je ne l'ai pas signalé, quand vous faites un run, vous pouvez le faire avec les ghosts, qui fait que vous voyez exactement où en sont les meilleurs, et ça vous permet de voir exactement, ah bah là je perds du temps, ah bah non là c'est bon, c'est cool, je prends de l'avance, et comme ça vous arrivez à régler petit à petit. Vous voyez, il y a une sorte de balance qui se met en place, du trade-off. Vous trouvez un équilibre, vous dites bon là ok, je perds du temps, ça je le passe moins vite, bon je vais peut-être essayer de le travailler, mais étant donné que là ça passe pas mal. Alors là, on voit des rondins sur lesquels il vaut mieux atterrir au milieu. Pourquoi ? Parce que ces planches qui sont dans l'eau, qui flottent, ces morceaux de bois attachés qui flottent, en fait, vont avoir tendance à basculer. Et donc forcément, si vous êtes au bout de ce rondin, eh bien, il va se relever si vous êtes à l'arrière. Et donc, il va un petit peu vous ralentir. Donc on cherche à atterrir au milieu pour qu'il reste le plus horizontal possible. Et ensuite, on continue sa progression. Donc ça va être encore une fois le fait de doser les sauts juste avant l'atterrissage sur ces portions de bois qui va être essentiel pour ne pas perdre de temps par la suite. Voilà, là c'est pareil, il atterrit juste devant le petit tremplin pour pouvoir le reprendre et gagner assez de motricité pour le passer. Voilà, une petite série d'obstacles courts, vous voyez, ça se différencie là. Nettement, on a plus de petits tremplins rapprochés qu'il faut réussir à prendre dans une distance assez resserrée tout en trouvant suffisamment de motricité pour l'obstacle suivant. Là, hop, ce conteneur qui est déplacé et on termine la tête en avant. Ah, ça défile quand même. Pour le moment, pas de soucis. Bon, on est dans les premières pistes. Le runner, alors si j'ai pas raté quelque chose dans le vortex où j'étais parti du décalage dans le temps, Back to the Future, je sais pas où j'étais. Marty. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est un sans faute. Sur les premières pistes, c'est pas étonnant. Après, alors, je vous ai pas parlé, je sais pas si on en verra, mais il y a une utilisation des time savers. Enfin, il y a des time savers qui existent dans le jeu. Là, magnifique flip, là, pour passer encore une fois à terre pile poil sur le tremplin et boum, là, ça explose en affaire. On est déjà en haut. On repart en arrière pour mieux revenir dans le bon sens de la marche. Oh là là, ce petit passage là, la moto qui passe juste au-dessus du tremplin, rien, très bien maîtrisé pour pas perdre de temps. Hop, on arrive sur cette passerelle qui se déploie lors de notre arrivée. Voilà, tout petit saut, mais suffisamment voilà, pour juste ratterrir, tout de suite gagner sa motricité pour le saut d'après. Ah, pas juste sous parfait. Hop, et la tête en avant. Oui, il existe des time savers dans le jeu. C'est-à-dire que, pas évident à réaliser, mais comme je vous ai dit, il y a des checkpoints à différents endroits. Hein, vous les voyez, ces lumières qui passent de rouge à verte. Alors, il y a un circuit d'ailleurs qui n'en a pas, qui est très long, et donc du coup, vous n'avez pas le droit à l'erreur, qui est un peu stressant à cause de ça. Et donc vous pouvez les utiliser, c'est-à-dire volontairement vous allez atteindre le checkpoint et vous relancez tout de suite parce que ça va vous permettre de repartir dans une meilleure configuration que celle qui vous est donnée quand vous faites votre premier passage. Étant donné que vous relancez, vous loadez immédiatement là où vous en êtes puisque c'est le checkpoint que vous venez de passer, du coup ça peut vous permettre de gagner du temps si vous êtes très très efficace. Et c'est des choses qui sont utilisées et qui peuvent être utilisées sur certains circuits de trail. Donc si vous voyez ça, c'est pas forcément que le runner a raté, hein. Regardez bien ce qu'il était en train de faire. S'il était dans un saut, c'était proche d'un checkpoint, vous avez pas vu d'erreur, vous voyez pas qu'il allait forcément l'atterrir. Alors des fois ça peut être de l'anticipation parce qu'il sent qu'il a raté son run, mais si vous voyez que le checkpoint là où il était qui redémarre à peu près au même endroit, ça veut dire que ça c'est un time saver. Donc ça peut être utilisé. Je sais pas s'il va les faire. C'est vrai qu'il y a probablement une utilisation très très poussée vers la fin du jeu de ce genre de choses. Alors il peut exister aussi également dans Trials Evolution un petit bug en fait. Tires glitch, pardon, donc ça veut dire glitch au niveau des pneus. Quelque chose d'ailleurs, au niveau de la physique qui se reproduit apparemment plus volontiers encore dans Trials Evolution, ce qui explique aussi que certains aiment moins renaître Trials Evolution. Et vous pouvez carrément vous cherchez à jouer la montre, ou même quand vous cherchez ne serait-ce qu'à avoir les meilleures médailles, hein, sans parler de speedrunner le jeu. Mais c'est vrai que voilà, comme c'est un mélange de time attack, ce jeu aussi avec certaines phases de scoring dans les mini-jeux, forcément perdre du temps parce que vous êtes bloqué, ça fait excessivement rageux. Heureusement, ils n'ont pas rajouté la crevaison, hein, parce que on aurait pu commencer que ça. Ah, j'ai crevé avec ma moto, je peux pas, je vais refaire la piste.
Alors, début classique, ouais, petit enchaînement. Ouais, non, je pense que vous avez bien compris hein, la mécanique de base. Sur certains tremplins, il est inutile de faire des grands sauts parce que ça va être vraiment en termes de speed. Là, voilà, on a un petit boost de la nitro qu'on avait vu tout à l'heure dans un mini-jeu, dans une des licences à passer quand on fait le new game. Et donc il a parfaitement utilisé. Enfin attention, hein, parce que c'est vrai que la moto prend à ce moment-là une maniabilité un petit peu différente. Enfin une maniabilité entre guillemets, hein, parce que je rappelle que encore une fois, vous avez la main sur l'accélérateur, le frein, le corps du pilote, mais pas autre chose. Vous ne gérez pas les virages. Mais voilà, je pense que vous avez cerné un petit peu l'idée de base de ce type de speedrun. Pas trop décoller sur les tremplins qui font perdre du temps, parce qu'aller en l'air, c'est une perte de temps. Et essayer de vraiment voilà, de tout faire, de maximiser pour conserver sa vitesse, grader des techniques de bunny hopping, faire des petits flips si on a la place de les sortir, pour encore une fois, pas perdre de 2 km/h. Atterrissage sur la roue arrière, vous avez vu la roue arrière qui a rebondi sur la petite balustrade et hop, on passe. Hein. Vraiment parfait. Et en passant sur la balustrade, hein, vous avez vu que voilà, on passe dans la. Enfin, peut-être déjà, on était peut-être au moment, mais on est dans la catégorie médium. Et ça n'a pas trop d'équipement à sa moto. Voilà, donc là, on va devenir avec. Ça va commencer avec des obstacles un peu plus impressionnants. Vous voyez, alors là, hop, il faut partir suffisamment bien. On va repartir, donc on part assez loin. Mais il faut bien doser son premier looping pour bien le prendre. Et ensuite, on repart tout de suite. Là, c'est pareil. Vous devez ralentir la moto aux bons endroits, puisqu'il y a des phases, des plateformes voilà, qui vont monter. On doit attendre qu'elle bascule. Donc il faut gérer sa vitesse moyenne parfaitement pour pas avoir à trop freiner ou le contraire, c'est-à-dire soit, parce que comme vous êtes dans un speedrun, si vous freinez trop, il y a eu temps de perdu bien sûr, mais il faut quand même arrêter suffisamment la moto parce que sinon c'est la galère. Que surtout là dans ces phases, vous avez ces armatures métalliques qui penchent. Si vous n'êtes pas au bon endroit quand elle commence sa descente, quand vous l'avez amorcée, que vous êtes trop en avant sur la moto, bah, vous risquez malheureusement de toucher de la tête un des obstacles autour de vous. Et c'est la fin, quoi. Right there, perfect example of a time saver, finding that flat route through the track. He could have gone down below. Hop, c'est pareil, voilà, beaucoup de petits points très très techniques, on fait juste basculer la moto dans ses atterrissages qui permet de gagner pas mal de temps, voilà, là aussi, on passe très peu, vous voyez, ce tremplin, on fait juste basculer sa moto à son sommet, parfait. Ces petites choses, elles paraissent de rien, mais qui lui permet de grappiller des secondes. Très très au point, on voit aussi hein, qui remodifie assez souvent l'axe de sa moto une fois qu'il est parti, même sur un saut qui paraît pas très très élevé. On voit que des fois il penche et puis il estime que là que sa moto est trop en avant, hop, il la remet en place. Toujours vérifier, bon, si on peut dire ça, l'assiette hein, quelque part de sa moto. L'assiette, hein, c'est le fait, si vous n'avez pas de quoi je parle, en fait, de gérer justement, alors plutôt ça pour un vaisseau, hein, mais de gérer sa position dans l'espace, mais notamment le fait qu'il soit aligné ou non, est-ce que c'est penché ou pas. Et là, c'est un petit peu cette idée qu'on a, est-ce qu'on doit vraiment aller, comment on doit aligner sa moto. Si on atterrit sur un tremplin, bah, il faut que sa moto soit à peu près dans ce profil-là. À peu près le même genre d'idée. Épouser la piste, hein, en quelque sorte, le plus possible. Pour voilà, toujours essayer d'avoir sa roue arrière en contact et avoir l'accélération disponible. Mais sauf que pas trop. Allez. Oh là 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 là. Là, il utilise le petit frein à passer en dessous. Très impressionnant. Tant c'est plus simple de rester en bas. Et là, il fait freiner son. Enfin, c'est plus simple, c'est même plus rapide. Hein. Et il freine son perso en le faisant taper sans pour autant le faire mourir. Très belle dextérité. Et phase là de The Blaze. Voilà, bon, le finish qui est plutôt classique. Alors oui, là, vous l'avez vu remonter. Il y a un petit souci, en fait, dans le jeu. Et c'est pour ça aussi, certainement, que les gens ne font pas du All Tracks. En fait, quand vous avez fini une piste, eh bien, le jeu ne vous met pas automatiquement sur la suivante. Il peut vous mettre sur une piste... en fait, c'est-à-dire qu'il peut vous mettre sur une piste après, deux pistes après. Ce qui fait que, quand vous cherchez à compléter l'All Tracks, vous devez compléter toutes les courses, on est bien d'accord. Sauf que, en fait, le jeu...
si quand vous sortez de la course précédente, il vous met sur deux courses en avance. Ce qui fait que vous êtes en train de faire la course, puis vous dites attendez, c'est pas cette course là qui est après, qu'est-ce qui se passe? Donc vous finissez quand même la course, mais il faut checker dans votre menu quand vous allez ressortir qu'il vous ait pas zappé des courses, parce que sinon vous n'allez pas obtenir justement tous les tracks. Et là, il est obligé de le refaire parce qu'on a vu qu'il est remonté dans son menu, et alors qu'il avait déjà obtenu des médailles sur les pistes qui étaient avant en fait. Donc on l'a vu remonter et on a vu en effet qu'il y avait une piste qui n'avait pas une médaille. Et là c'est pareil, on colle bien au tracé. Ça colle, petite accélération là, boum. Pas trop, juste ce qu'il faut, les petits dosages avec le bouton accélérateur là. Petit mouvement, petite rotation de la gâchette. Enfin, je parle de le petit coup de gaz en fait. Gâchette des gaz. Des données pour accélérer. Oh, ce passage là où il fait son looping. Vous avez vu, il cale le garde-boue grâce à la manipulation d'avoir réussi à faire son looping. Il cale le garde-boue arrière, ce qui lui permet de rester bloqué dans l'obstacle, de tourner autour et ça passe quoi. Pff, ce mouvement quoi. Sérieux. Pour faire ça, toi, tu le tentes, tu t'écrases 4 fois, t'arrives même pas à le passer aussi vite. Et là, avec cette vitesse et cette fluidité, allez hop, le petit flip, c'est pas pour la frime. Hein. Toujours, encore une fois, pour aller plus vite. Ah ouais, ce petit mouvement là qui nous a fait The Blaze, j'espère que vous l'avez apprécié parce que ça c'était beau. Hein. Il y a plein d'autres choses hein, techniquement qui sont très très relevées quand on voit. Hein, je vous dis, ouais, ne regardez ne stress comme il est toujours près de la piste, il colle les tremplins qu'il prend quasiment pas. Alors qu'il faut le faire, hein, il arrive juste à doser pour ne pas trop décoller. Allez, là c'est pareil, alors il faut pas y être trop fort, sinon vous prenez le mur en face. Oh, il rebondit contre le mur, PAM, il redescend. Parfait, il est juste dans la position qui lui permet de prendre la courbe au sol. Enfin en tout cas la piste qui est courbée à cette partie-là. On a un petit peu ralenti pour trouver juste l'accélération qu'il faut. On rebondit et c'est encore nickel. Il atterrit en plus, vous avez vu, assez loin hein. C'est pas genre, il joue très sécure, il pourrait atterrir plus haut dans le tremplin qui est recourbé en bas. Non, il atterrit quasiment en bout, juste à la limite du mur qu'il vient de toucher en fait. Il fait une chute, il fait sa chute verticale et il redémarre tout de suite. C'est parfait, hein. C'est parfait. Pour perdre le moins de centimètres possible ou de mètres. C'est vrai que je sais pas combien de centimètres sur nos écrans représentent 2 mètres dans le jeu au final. Allez, accélération, hop, voilà, colle bien, parfait. Alors, vous voyez, sans cesse, hein, il faut tapoter. Bon, c'est vrai que là, on voit pas. Ce que je déplore un petit peu souvent dans les AGDQ, c'est que. Alors, ils le font certaines fois, on n'a pas assez de contrôleur cam. C'est tellement bien d'avoir une petite vue sur la manette des joueurs. Même si on peut noter, hein, je m'amusais un petit peu à regarder les layouts des anciennes AGDQ. En fait, ils ont mis plus de place pour le jeu. Hein, parce qu'au début des AGDQ, il y avait un écran qui était aussi gros pour le jeu que pour la caméra de la salle, or il se passait pas souvent grand chose. Et ils ont un petit peu amélioré ça cette année, je trouve. On arrive à avoir un plan un petit peu plus resserré et plus profiter du jeu. Mais ça manque encore un petit peu de contrôleur cam, et souvent pourtant c'est vraiment tellement essentiel et tellement intéressant d'arriver à attraper comme ça les inputs donnés par le joueur avec l'écran juste à côté. En tout cas, moi, je sais que j'apprécie beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça quand je stream que je mets un point tout particulier à filmer la manette. Parce que je trouve que c'est une source d'information vraiment très très intéressante pour tous ceux qui voudraient s'y mettre, ou même juste pour voir l'exécution que ça demande et pour montrer que voilà, encore une fois, il n'y a pas de cheat, hein, c'est vraiment tout fait sous vos yeux. Bon, là, sans doute un petit peu, c'est la GDQ, tout est en direct, mais que voilà, avec des inputs très précises, on peut réussir à faire ça. Je pense notamment pour un public qui est un petit peu néophyte, et puis dire, mais comment ils font ces mecs là pour réussir à passer ça? Moi, je comprends pas. La première fois que j'ai fait le jeu, je l'ai pas vécu de cette manière là, ça s'est mal passé, j'ai rage-quitté tout ça. Donc c'est vrai que c'est le jeu Trials Evolution du lâcher de manette. Hein. C'est le jeu du lâcher de manette. Hein, parce que voilà, c'est tellement difficile vers la fin, tellement de choses qui demandent une minutie, un entraînement, même quand on veut finir le jeu en fait en soi. On rentre dans des aspects de super play, même ne serait-ce que pour terminer le jeu, hein, avec difficulté du die and retry, dire là, ah bah non, là j'ai trop accéléré. Alors heureusement, on est chez... Oh là, ça s'est bien passé. Oh là là. En plus, le petit flip pour le final. Oh là là, c'était magnifique. Allez. Il a essayé de tenter, mais il a bien passé la première partie. Gros skip, permis de passer là sans problème. Hop, ah, t'es là où avant, ça repart dans le bon sens. Attention à ce tuyau qui bouge.
Et voilà. Oh, aussi c'est bien passé. Hein. Le ding, c'est bon. Hein. Essayez de plus lire le chat. Bonjour à ceux aussi qui me disent bonjour dans la chat room. Essayez de me dire pas. Alors essayez de me dire vraiment si je suis trop en retard. Hein. Ne me faites pas de blagues. Ne me dites pas qu'on est déjà passé au run suivant. On me l'a déjà faite. Allez, voilà, on se passe toute une phase où il y a beaucoup d'ascension hein, dans ce début de tracks, vous voyez, donc pas mal de hauteur à gagner, mais sans perdre de temps, donc en essayant de frôler le plus possible les endroits où on doit atterrir, ou éventuellement les petites jonctions à passer. Moto qui accélère, on entend bien le petit... Petite accélération de la moto, je fais très mal de la moto, hein, je sais. On va plier le coq avant. Allez, passage là, hop. Hop, enfin maintenant il faut dire Nicolas Cantou, hein, parce que moi je suis avec les références des années 80, des 90, là faut passer, faut sauter une génération là. En même temps, bon c'est pas mieux. Voilà, ça s'enchaîne très très bien pour le moment. C'est vrai que quand même quand on voit l'exécution de The Blaze, c'est assez phénoménal. Il arrive vraiment à, je trouve, toujours trouver encore suffisamment de conservation de vitesse, les sauts qui vont bien, l'atterrissage au poil de fion, les frottements parfaits. Non mais il pousse, sérieux quoi, le mec il arrive, il pousse le conteneur, il fait un flip auto, il retombe exactement dans la bonne trajectoire et pile poil au moment où le conteneur a fini de basculer. Non mais sérieux? Oh là là, et en plus il tourne autour, comme ça lui permet quasiment pas de perdre de temps dans la chute du conteneur. Oh, aïe aïe aïe. Allez, encore une grosse phase d'ascension dans cette montagne. Encore une phase qui va essayer de skipper ici, enfin un petit peu plus loin, on va voir. Ah, ça y est, là il a réussi à... Vous voyez, encore un endroit où il a évité toute une partie du circuit. Alors tout ça c'est des skips en fait, hein. C'est pas comme ça que vous êtes censé passer. Il a réussi à attraper le petit bout de bordure, à rééquilibrer sa moto et ça passe, ça permet d'éviter le passage par le bas qui est lent. Oh là là là. Allez, allez. La moto qui accélère, c'est bon. Et on atterrit la tête la première, parfait, encore une fois là. Bon petit passage cuté, trouvé par The Blaze. Alors non, je ne connais pas son PB parce que c'est vrai que j'ai un petit peu cherché, j'ai peut-être mal cherché, mais je ne sais pas. Et en fait, comme je le disais au début, The Blaze est un joueur qui joue surtout en multi-segmenté en fait. Je suis pas sûr qu'il fasse bien du all track souvent en fait. Hein. Là, il a dû juste un petit peu l'entraîner pour un GDQ. Je sais pas s'il a sorti un temps. Moi, je vous dis, on trouve le run de Gunners qui est améliorable, qui est français. Il fait partie quand même des meilleurs joueurs français. Il y a une bonne communauté française d'ailleurs sur Trials. Hein. Il faut le signaler. N'hésitez pas à aller voir Psychodélique et des gens comme ça qui regroupent toute la communauté sur les forums Trials. Et c'est vrai que il y a des très bons joueurs, mais qui ne pratiquent pas forcément les all tracks. Donc, c'est-à-dire que vous allez les trouver très bien classés de manière segmentée sur chaque circuit. Après, je n'ai pas forcément d'idée s'il a sorti un temps. Je vous avoue là que bon, j'ai eu un emploi du temps un petit peu compliqué avec tous ces commentaires. Et je n'ai pas forcément ça à retrouver de traces. Peut-être pas assez bien cherché. Alors là, une phase. Tout va bien. Petite phase de plateforme OVNI. Phase du faux. Ça va être une spécialité de la... Ça va être une particularité de la Gold Edition. Ça, c'est assez marrant, là, vous... diriger un OVNI, la maniabilité doit être assez différente. On voit hein, que donc, cette fois-ci, quand vous donnez... Quand votre moto qui est sur cet OVNI, quand vous bougez le pilote sur cette petite plateforme qui vole, là, eh ben vous arrivez comme ça à la faire pencher plus ou moins, mais l'inertie doit être très très différente. Donc la maniabilité, là, doit pas mal déranger au début. Très bien géré ce passage, en plus là ça flotte un peu, il va pas être évident de donner les petits coups de rein qui permettent comme ça de bien se repositionner. Voilà, est-ce qu'il explique pour gagner le moins de temps possible, en fait, il doit vraiment gérer son frein et ses gaz, comme on disait, pour ne pas s'envoler trop dans les airs et vraiment rester le plus possible sur la piste, parce que là, d'après ce que j'ai cru au moins, il n'a pas le droit trop de s'en éloigner. Vous voyez en fait que voilà, il y avait un parcours, il a fait parfaitement.
très bien gérer ça. Cette soucoupe tellement horrible. Ouais, elle est passée dans d'autres défis. Allez, vous écoutez en même temps ce qu'il dit. Alors c'est assez marrant là, il explique quelque chose, il accélère en même temps, il ne touche plus du tout. C'est assez marrant hein, parce que là, il joue plus qu'avec une main. C'est assez marrant ce passage là. Il nous a fait tout ça sans problème. Oh là là, ce passage. Ok, il est vraiment parti dans les mini-défis. Donc là, on a carrément une boule au-dessus de nos têtes qu'il faut, je suppose, ne pas refaire tomber. Et donc là, il continue. C'est ce qu'il veut faire le gros saut. Et donc là, il est parti vraiment dans un défi d'enseignement de mini-jeux pour vous faire une démonstration assez complète. Oui, en effet, ouais, comme tu le signales, il a dit, le runner, c'est ça que j'ai oublié de vous préciser, qu'il en a, c'est pour ça qu'il joue avec une main, il a que le contrôle en fait de l'accélérateur et des freins. Donc il ne peut plus modifier l'orientation de son pilote dans ce qu'on avait vu avant. C'est pour ça qu'il expliquait que c'était pas évident et qu'il fallait réussir à trouver eh bien le bon équilibre entre les deux, le dosage pour réussir à passer. C'est vrai qu'il nous a matérialisé ça en montrant l'un. Voilà. Hop. Ah, donc là, il faut qu'il réussisse à faire un saut suffisamment bien s'accrocher. C'est la phase complètement à la peine, là où tu peux t'accrocher pour passer donc les différents ces différents obstacles. Rester accroché. Parfait, là. Hop. C'est assez marrant, cette phase. On est juste accroché, là, tranquille. Allez, il faut qu'on se balance assez. Le trapèze. Cette succession de trapèzes là que le joueur réussira à toucher et bien sûr saisir et après trouver la vitesse suffisante donc en se balançant pour avoir l'élan et atteindre la distance pour ne pas mourir tout de suite. Il y a beaucoup de choses et au final ça demande une nouvelle maniabilité du jeu. Hein. Avec ces mini-jeux, vous redécouvrez un petit peu Trials. C'est vrai qu'ils aiment bien rajouter des contenus. Souvent qui d'ailleurs alors qui rajoute quand même beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à rougir de ce qu'ils apportent en contenu les DLC dans Trials. Que, si je dis pas de bêtises, la Gold Edition donc regroupe l'ensemble des DLC, les deux DLC qui étaient sortis un petit peu après et qui ont accompagné donc The Trials Evolution. Ouais. Voilà, faut faire gaffe, faut passer au milieu des scies circulaires, un petit peu une phase à la Meat Boy. Une phase m'embouché à trancher. Durail aussi qui est le sigle hein, de Trials. La mascotte. Ouf. Oh, mais le saut qui est étendu. Voilà, donc là, on est obligé d'être un peu plus loin pour utiliser la plateforme. Il le fait décoller, donc là on se retrouve dans un flipper hein, carrément. Il atterrit sur le bumper. On doit prendre les différents. Voilà, terminé. Ce qu'il expliquait là, c'est que la projection du saut, The Blaze expliquait que malheureusement on sait pas trop où on va atterrir, c'est assez random comment ça va se passer, donc on doit un petit peu improviser dans cette phase là. Et qu'il y a certains endroits du jeu, on va pas parler, mais certains endroits où en fait, bon, quand vous arrivez bien timé, tout se passe bien, mais il y a d'autres où il est plus difficile des fois d'avoir vraiment quelque chose de régulier d'un run à l'autre. Et vous devez faire preuve de beaucoup, beaucoup d'agilité, de réflexe, bien sûr, dans Trials. Hein, c'est si vous en doutiez, je pense que vous n'en doutez plus quand vous voyez la démonstration. Oh là là, ah, voilà, parfait. C'était bon, il a bien balancé juste derrière. Faisait le minimum pour réussir à terminer ça très, très rapidement. Encore une fois, juste cette maîtrise hein, pour faire atterrir la moto quasiment debout. Sur une portion de mur et tomber derrière lui et finir. Là, phase où cette fois-ci on est sur la boule. Hommage à la boule de Fort Boyard. Regardez, donc là, il faut pas trop accélérer, bien doser, légèrement repartir un petit peu en arrière, mais donc il ne touche pas encore trop, hein, tout petit peu. Vous voyez qu'il est très. Il fait très très attention de ne pas modifier la physique de son pilote. Our blame was just exploded by some explosion.
Allez, encore une phase flipper. Allez, on part, on est là, le go. Alors là, une phase un peu plus normale, on retrouve notre moto, même s'il va encore avoir. Alors je pense là qu'il essaye de l'activer en étant. En fait, là, il essaie de multiplier les flips pour, je pense, se rapprocher de la bordure du jumper. Voilà, il réussit en fait. Ah, ouais, d'accord, carrément, on va pas faire toute la course. En fait, on en faisant un certain nombre. Il arrive sans doute à déclencher la fin de ce circuit. Technique assez intéressante. Avec ces petits enchaînements de flips là. Donc là, il est obligé d'être en wheeling. Donc que sur la roue arrière. Possible. Ça y est, il a dû finir. Place dans le hard. Bien ces petites. Je sais pas si on reste encore beaucoup de phases comme ça. Agrémenté de mini-jeux, je pense que là il a terminé, on va repasser voilà, sur des circuits plus classiques. On attaque donc cette fois-ci la phase hard, hein, l'entrecoupé, donc à chaque fois il a débloqué voilà, les licences pour pouvoir continuer, hein, puisqu'il a fait un new game. Allez, parti dans sa chute. On va avoir encore de nouvelles fois des choses beaucoup plus impressionnantes, même si les mini-jeux, bon, il les a juste débloqués vite fait, hein, parce qu'il voilà, il vous présente l'intégralité du jeu, il a choisi de faire un new game, donc il débloque tout ce qu'il a à débloquer le plus rapidement possible pour continuer. Et passer au niveau de difficulté suivant. C'est vrai qu'on est déjà quasiment rendu à 50 minutes de run. Et on va voir que, encore une fois, le jeu va devenir de plus en plus cruel. Des barils d'explosifs. Un petit passage sur les pneus aussi. Hein, donc là, forcément, beaucoup d'irrégularité sur le sol. Il va falloir absolument apprendre à maîtriser. Accélérer au bon endroit. Voilà. On maintient le plus possible sa roue arrière en contact. Downwing, presque. Voilà, petit flip avant là pour faire ce saut et gagner comme ça de l'élan en plus. Hein. Petit, conserver sa vitesse et bien partir en avant tout de suite après le passage... de ce ravin, de cette grande chute, dans la hauteur où il était, là, avec cette montagne de pneus, de roues. L'accélération qu'il faut, juste. Passer le début de cette course, bon, la phase plus tranquille, grande ligne droite. Allez, le petit flip qu'on a déjà vu, hop, qui permet d'atterrir sur la forme supérieure. On retrouve tout de suite son accélération, pas trop prendre d'élan, essayer d'atterrir le plus juste possible et en bonne position sur la rampe pour avoir l'accélération qui va nous permettre juste de jumper juste à côté. Voilà. Là. Obligé d'aller très doucement pour ne pas faire exploser le baril. Bon, explosif, je sais pas ce qu'il contient. Hein. Mais en tout cas, c'est pour ça que là, vous l'avez vu ralentir et qu'il l'a juste poussé avec l'avant de sa moto. Très, très doucement. Encore une fois, très, très belle maîtrise parce qu'il a fait ça de manière assez fluide. Hein. Il le pousse, ça n'explose pas. Vous voyez juste le dosage. Oh là là, ça m'a l'air compliqué. Il y a des panneaux de partout. Ça nous indique qu'il va y avoir des traversées de serre. Alors tu relancé là d'ailleurs on a vu hein, très rapidement certainement parce qu'il était mal positionné ou parce que c'était plus rapide de faire ça. Les rizzos qui vont sont très très ardus. Apparemment ouais, pareil. Et il essaie bien de coller alors que les poutres là vous avez vu lui offrent une géographie qui l'amènerait normalement à décoller plus haut, mais il essaie vraiment au maximum en jouant avec sa moto de les manger, tel un Pac-Man qui prendrait de la gomme, pour rester le plus possible autour de ses poutres. Pareil, il arrive juste à mettre le bout de son pneu de sa roue arrière pour redémarrer sur la caisse et franchir ça. Pareil, le stop là, magnifique. Vous voyez, donc là, il atterrit juste au niveau entre le passage vous voyez, vers son. En fait, entre sa roue arrière et son pied pour bien bloquer la moto et ensuite passage du corps en avant pour réussir à franchir l'obstacle. Voilà, on va bien. Ah, mais là, il était mal parti.
carrément plus rapide. Il a tout de suite vu qu'il avait mal atterri, donc plus vite fait de relancer le checkpoint. Tout qu'on est juste à côté, pas de problème, ça va aussi vite et en plus on part très très bien. Alors il relance le checkpoint, il sait exactement comment doger pour passer ça. Il est parti un petit peu en arrière, il n'a pas pu freiner, mais en plus, bon, ça lui allait pas bien, donc s'il était trop en haut, il ne pouvait pas retrouver l'accélération qu'il lui fallait pour réussir à faire le petit saut de fin. Du coup, il est reparti d'en bas. De toute façon, ça reste très très propre, très maîtrisé. Et qu'il n'y a pas grand chose à acheter. Hein. Par contre, l'estimate me semble, je sais pas, peut-être un petit peu, je sais pas tout ce qu'il veut nous montrer. L'estimate me semble un petit peu juste quand même pour, en plus, avoir fait, avoir débloqué en même temps les licences. Là, qu'ils ont pris une estimate d'une heure. Je pense que, enfin, je sais pas, peut-être un petit peu dépassé. Parfait, atterrissage, juste où il faut. On gagne le petit rebond de son amortisseur pour tout de suite repartir. Ah, juste ce qu'il faut passer, parfait. Atterrissage, encore une fois, voilà. Et on gagne un petit peu de vitesse. Même si, vous voyez, ça nous freine un petit peu, là. On voit que dans le gravier, c'est un peu dur hein, de redémarrer. Moto qui force, deux doigts de s'enliser. Et ça permet, avec cet atterrissage, de passer sans trop de soucis. À un niveau plus sombre, hein, on se retrouve encore en sorte de décharge. Vous voyez que là, la lumière... voilà, tout un petit passage sur la roue arrière. Conservant exactement le même angle, la même trajectoire avec sa moto. Voilà, on passe ses tuyaux, pas évident, parce que du coup ça a une tendance un peu à vous propulser au-dessus. Là, il respecte vraiment le design du tuyau pour passer juste au-dessus. Attention là, hop, atterrissage. Oh, il atterrit, ouais, c'est bien, parfait, il atterrit, vous avez vu, sur la partie haute de la plateforme, ce qui fait qu'il prend pas l'espèce de boudin là, dessiné encore une fois par le tonneau. Sinon ça l'aurait embêté dans son atterrissage. Et voilà, et là on passe la tête avant. On passe la tête la première. Là, il a choisi de pas volontairement, vous avez vu, il a pas fait la piste suivante, hein, il a pris une piste un petit peu plus avancée. Oh là, il a placé sa roue arrière juste où il fallait sur le capot pour reprendre la petite accélération, atterrir avec la roue avant sur l'autre voiture. Là, voilà, il s'arrête juste dans les élans, parfait. Pas été trop vite là ici, hein, parce qu'au bout de cette plateforme, vous avez un mur qui vous freine. Pas que vous soyez. Ah, dommage. Pas réussi à trouver l'élan. Tellement dur. Partez en arrière. Ah, c'est tellement difficile là. Vous voyez, vous voyez la différence entre ce qu'on a vu tout à l'heure où il y avait énormément de pistes et puis là c'est de plus en plus. Alors là, t'as un tonneau par là, là t'as une plateforme par ci, faut atterrir juste là, t'as un mini tremplin. T'as une énorme moto et il y a genre un dé à coude sur lequel il faut atterrir sans le faire tomber en sachant qu'il est plein d'eau et qu'il est à l'envers. À part ça, il n'y a pas du défi dans le jeu. Alors on voit succession de petites plateformes, des tuyaux de construction à passer. Voilà, trajectoire qui lui permet juste de rouler, de tourner autour, hein, de passer sa roue arrière parfaitement. Ah, dommage! Il était pas loin, il voulait caler, je sais pas s'il voulait, en soi là dans sa stratégie, je sais pas s'il voulait vraiment réussir à faire le flip comme là il l'a fait, bien prononcé, ou s'il voulait faire juste un petit flip tout suffisant pour juste avoir le cul de la moto qui tape sur la bordure, qui se cale et lui permettre de retrouver un point d'ancrage qui le remette ben, droit en fait, pour continuer. Là, je sais pas exactement ce qu'il a vraiment cherché à faire, mais en tout cas c'était assez osé, bon il a été obligé de relancer. Hein. Ouais, que vous imaginez pas quand vous faites du all tracks, faire un no-miss, c'est voilà, c'est pas trop envisageable, je pense. Hein. Ou alors, faudrait vraiment avoir des techniques ultra save, mais je suis pas sûr que vous y gagneriez en temps. Hein. Honnêtement, autant essayer un petit peu. Oh là là, ce passage, j'adore là quand ça fait ça. Allez, c'est les flips qui s'enchaînent à une vitesse incroyable. On passe au-dessus des caisses sans problème. Hop, avancer avec la roue arrière, parfait. Attention là, hop, on repasse. Regardez tous ces mouvements là, les avant arrière, les bunny hop là, qui sont très 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 utilisés. Allez, hop, on trouve tout faux. Hop là, le petit coup de rein et on va la tête en avant pour finir cette course. Et j'aime bien là ces tracks là qui sont enchaînés rapidement. Vous avez vu, plein de petits sauts très techniques, ça ne s'arrête pas. C'est très très plaisant à voir. We've got time for one or two donations if you'd like to read a couple out. Yeah, we've had $25 from Nico 54. Alors, on se retrouve plus dans un univers de rochers avec pas mal de vide quand même, on sait pas trop où on est. Hein. On est sur une planète assez bizarre quand même où il y a un sol rocheux qui est en lévitation. Tout va bien.
Allez, petit flip, là, encore une fois, pour essayer de coller le plus rapidement possible à la suite de la course. Allez, hop. Voilà, atterrissage sur la roue arrière, parfait, avec grosse accélération, mais sans prendre trop hauteur, pour toujours gagner en avant. Voilà, donc là, il a atterri au milieu. Faire attention de ne pas relever cette poutre mobile. Non, je sais, hein, vous aimez bien avoir la poutre relevée. Là, non. Quand on essaye d'aller vite, on n'a pas le temps. Boum, boum. L'âge du jeu entre les scènes de transition continue d'accélérer. Non, c'est le jeu hein, qui a ce bruitage. Alors voilà, je vous avais dit qu'il y avait des phases de nuit, enfin plus sombres, et on va commencer à y rentrer. Alors on a quand même le phare de la moto pour nous aider, ce qui est sympa. Et encore essayer de trouver les angles parfaits. Oh, atterrissage juste en bout de plateforme. On compresse son amortisseur, ça on repart tout de suite un petit bond, mais pas trop, pour ne pas se retrouver trop dans les airs non plus. Et essayer de faire tout de suite la descente qui suit, mais ce passage là, oh, pareil, ça rebondit sur la roue arrière, parfait. Accélération, on reporte la moto parce qu'on sait qu'on pourra pas skipper, on est obligé de retomber une petite fois quand même sur le dernier petit tremplin pour passer. Dosage, hein, tout ce dosage. Ça fait, en plus, c'est vrai qu'en termes de mémoire, ça fait énormément de choses à apprendre. C'est comme dans, bon, c'est vrai que dans les jeux de plateforme, vous devez vraiment apprendre où vous atterrissez. Mais quand vous devez tout ça au début commencer à runner ce jeu, il faut passer énormément de temps pour repérer tous les. Enfin, ouais, pour imaginer et pour retenir un peu dans sa tête tous les points où il vaut mieux atterrir, où là il faut commencer son saut. Parce que bon, après, l'orientation de sa moto, ça, on peut réagir dans la piste. Mais par contre, savoir exactement, alors là, ouais, cette piste, elle est faite comme ça, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. De se dire, ah ouais, alors là, il y a un tremplin ici, donc je passe comme ça. C'est assez coûteux pour la mort. Ouais, donc on va dépasser l'estimate. Hein. Je suis pas très surpris vu qu'il est parti avec l'idée de faire un New Game Plus. Je pensais pas qu'il allait finir dans l'estimate. Hein. Ou alors il était vraiment très fort. Hein. Il était vraiment, vraiment, vraiment au-dessus de ce qu'on pouvait penser. Pourtant, déjà on sait combien ce joueur est fort. En plus, il a l'air de particulièrement bien expliquer alors qu'il est en train de jouer. Et qu'il donne pas mal de détails. Hein. Pas trop gêné par ça. De peu, il essaie. Et alors, on enchaîne pas mal de circuits obscurs. Ah, obscurs. En sens, ils sont devenus. Oh là là, parfait, encore une fois. Oh là 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 là, ce flip avant qui ratterrit juste bien. On peut passer comme ça son garde-boue. De l'autre côté de l'obstacle et tout de suite partir pour la suite. les pièges. Vous voyez, hein, quand je vous disais la dimension un peu plus aérienne, en tout cas plus étendue du jeu, on a vu une fois, tout à l'heure on était sur des rochers dans le ciel, là on est dans des ruines. Beaucoup plus d'extérieur, beaucoup plus d'évasion dans ce Trials Evolution. Je me rappelle quand j'avais joué, voilà, ça y est, on a débloqué l'extrême. Platinum Medaille Unlocked. Ça va. Alors en fait, vous voyez, voilà, ça y est, il a terminé. Il ne montrera pas les extrêmes du coup et s'arrête juste. Oh, le nombre de platines qu'il a débloqué. Et time. 1h40. 1h, pardon. 49 secondes. Alors est-ce qu'il va nous montrer d'autres petites choses? Non, je sais pas, je me demandais s'il allait nous montrer quelque chose. Il va nous montrer sa manette. Ah, mais si, il va nous montrer quelque chose encore. En tout cas, on a assisté quand même à un run très très sérieux de The Blaze, avec beaucoup beaucoup de petites piques avancées, j'espère que vous avez apprécié. Sympa encore de voir du Trials. Hop, alors encore une fois, il est passé juste la roue arrière derrière ce petit obstacle de montagne. Allez, 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 ah, ça c'est pas évident, voilà, pas trop bouger à ce moment-là le corps de son pilote pour ne pas se retrouver fâcheuse posture.
C'est vrai que ces phases-là, il faut réussir à réaccélérer au bon moment quand vous êtes dans une grande pente. Comme ça, sinon, bien sûr, avec la gravité, vous allez repartir derrière. C'est ça qui fait la force du jeu, hein, ce modèle physique et ce moteur physique qui régit votre moto, qui est très, très, très apprécié la première fois que vous y jouez. Au fait, bon, au début, c'est un petit peu bizarre. Parce que c'est vrai qu'il y a des rebonds à gérer, hein, en termes de maniabilité aussi. Oh, comme il a coincé la moto, là. C'est assez marrant. Qu'est-ce qu'il va essayer de nous faire? Voilà, regardez, ça c'est dextérité pour redresser la moto autour de cette arrêt. Oh, ce petit recovery était beau. So right here, we're gonna use a glitch where you can go past the finish line, but not actually get the finish line. It might take a couple tries to get this. Nope, I got it. Oh, mais sérieux, tu peux faire ça dans le jeu? But as you guys can see, we're going past here and we're past the finish line. D'accord, là ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'en faisant ça, il passe de l'autre côté et donc il n'active pas la fin de la course. Vous voyez? Ah, je vais montrer. Ah oui, c'est assez intéressant. Donc il a réussi à se retrouver derrière. Non mais. Hop, passe derrière la ligne d'arrivée, petite marche arrière. Voilà, et vous voyez, parce qu'en fait, là, ouais, c'est la tête, en fait, faut vraiment qu'elle soit détectée comme passée, enfin, qu'elle franchisse la ligne d'arrivée. Là, du coup, elle ne franchit pas parce qu'elle est au-dessus et certainement que la ligne est juste en bas et qu'on doit passer au-dessus de la zone qui déclenche ça. Assez marrant, hein. N'importe quoi. Ce passage avec le garde-boue autour du portique de fin. Ah non, mais... Il y a un peu la physique du jeu, quand même. Je pense que vous avez tous fait ça la première fois que vous y avez joué. Hein. J'imagine, là, vous êtes en train de relancer le jeu pour essayer. Ouais, donc là, en fait, il fait une petite démonstration sur les Extreme Tracks. Même, voilà, si c'était pas compris dans le temps, on va quand même un petit peu dépasser. On est encore plus en retard. Hein. Moi, je vais vous commenter Metroid Prime tout à l'heure à minuit, ça continue. Ah, on s'arrête plus, hein. Ah, cette mini-moto, elle est classe. Ah, hésite, là. Qu'est-ce que je prends? Cette moto particulièrement moche, je vais peut-être la prendre. Cette mini moto, ah, je pense qu'on va s'amuser là. Il y a moyen de faire n'importe quoi avec ça. Hop, ça fait penser à cette scène de Sherlock Holmes, le deuxième là, avec Robert Downey Jr. où il se retrouve, tous les autres partent en chevaux et lui il se retrouve sur un poney. Les autres partent ou sur un âne, je sais même plus ce que c'est d'ailleurs. Enfin sur un tout petit truc, c'est ridicule. Là, c'est un petit peu la même idée. Ah, ces passages avec la mini-moto. Tellement classe, tu fais tout le speedrun avec la mini-moto. Ça peut être un défi, hein. Carrément un challenge de super play. Ah, ah, oh, oh là là. Non, sérieux, il va rattraper ça? Non, mais le mec, il doit mourir, il meurt pas. Voilà. Ah, c'est Iki, hein. Il revient des enfers. Allez, allez, accélération. Ah, elle doit pas être évidente à manier en plus. Ça a beaucoup changé en termes de physique et de poids là. Même au niveau de l'accélération, comme elle est plus petite, elle doit plus bourrer l'accélération. T'es une petite nerveuse. Oh, comme il a rattrapé et passé ça. Non, mais il est au-dessus. Hein. Il est carrément au-dessus, The Blaze. Hein. Il est venu dans la salle d'entraînement avec sa moto. Hein. Et il passait au-dessus des consoles de la même manière avec sa moto. Hein. Allez. Hop, encore une phase de construction, en plus il y a des voitures. Bah, juste la petite cage dans laquelle il faut réussir, enfin l'entrée du building suivant qui se trouve juste un peu en contrebas. Et là, il faut pas atterrir, je suppose, sur la partie... Oh là, il reste encore, il arrive à bloquer complètement sa moto, comme dans le trail. Là, vraiment, on se retrouve dans le trail, même si c'est un peu what the fuck, hein, parce qu'on n'a jamais vu une épreuve de trail se passer au sommet d'un poteau électrique, hein, bien évidemment. C'est plus que des Extreme Games, là. Il arrive à basculer comme ça, complètement maîtriser l'inertie, ouais, c'est ce contrôle, on a l'impression qu'il parle à sa moto, The Blaze, hein, l'homme qui parlait, qui murmurait à l'oreille de sa moto. Hop, petit saut encore une fois, voilà, c'est peut-être pas le plus dur que ce qu'il a à faire, et là, il repasse sur la roue avant pour regagner la motricité, ah, ça pas suffit. Vous avez vu ce petit repassage, il a fait exprès de donner suffisamment d'impulsion, ratterrir sur la roue avant pour repartir en arrière, reprendre sa motricité, parce qu'il savait qu'il n'aurait pas suffisamment de place, en fait, pour passer l'obstacle suivant, même s'il n'a pas réussi du premier coup, qui est un petit peu surélevé. Et maintenant c'est carrément sur les pieds. Il est pendant le deuxième, il skip le premier. Imagine si tu dois faire de poteau en poteau. Ah, c'est l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta, j'ai compris.
J'ai tout compris, ne m'explique rien. Denis Brogniart va arriver pour commenter ce run. Moi j'attends Moundir avec son sac à dos, hein. Tous des corrompus. Là c'est vrai, là ça commence, et là le jeu il commence à bien s'appeler Trials. Là on comprend toute la difficulté du jeu, et encore une fois, hein, si vous vous souvenez des premières pistes, ça n'a absolument rien à voir. Vous voyez là les endroits où vous atterrissez, ça devient tout petit. Est-ce que tu vois cette épingle là-bas plantée dans le sol? Eh bien vas-y Roberto, essaye d'atterrir dessus avec ta moto. Ah ok, c'est le Olive et Tom du Trials. Avec à peu près la même physique, hein. Vous savez, Olive et Tom, hein, ce magnifique manga où les terrains sont circulaires. En fait, c'est pas des terrains, c'est des planètes. Et ce concept a été repris après dans Super Mario Galaxy. Et je suis sûr que si on regarde bien la moto de The Blaze, il arrive à déformer les pneus de la même manière que les ballons sont déformés dans Olive et Tom. Ah, ça y est, je crois que cette fois-ci... Ah non, il va faire essayer un ami. Il a appelé un renfort, donc là, il prend son assist. Alors voilà, donc il a pris un témoin dans la salle, il n'a jamais joué à ce jeu. Voilà, donc là il lui dit attention, tu vas en chier. Ah, pour vous montrer que c'est simple ce jeu. Ah, c'est salaud ça, c'est salaud de faire ça. Oh là là. Oh non. Imaginez quoi, vous êtes à une compétition de speedrun sérieuse et tout, enfin vous faites une démonstration, puis d'un seul coup vous demandez à Mister MV de faire une démonstration, ça veut rien dire. Oh, un peu de respect quand même. Ah, ah, il s'en sort pas si mal, hein, ah, il s'en sort pas si mal. Ah, 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 ah. Ça progresse, hein, il apprend vite quand même. Il apprend vite. Ah, ce martyr là, il est en train de souffrir le pauvre. Il dit mais non, moi j'ai pas signé pour ça, je suis lui tranquillement allégé les culs. Tiens, prends le jeu en extrême, tu vas tellement aimer. Tu veux plus jamais retoucher au jeu, hein. Oh là 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 là. Voilà, donc ça ressemble à ça normalement, Trials. C'est bien, hein? Ça donne envie, hein? Ah, ça y est, il a dit non, c'est bon, t'es bien gentil, mais. Il a dit, t'es bien gentil, mais j'en ai marre de passer pour un con devant le monde entier. Alors, en plus, voilà, derrière, il lui fout la misère. Regarde, moi je passe ça avec une main dans le dos, tout en grattant la cuisse, en pensant ce que je vais bouffer le midi. Ah, c'est un petit peu salaud ça, hein. C'est un petit peu salaud. Ah, mais j'apprécie du coup particulièrement The Blaze. Hein. Ah, mais c'est vrai que c'est pas mal. En même temps, c'est une bonne idée, hein, parce que c'est vrai que on voit tellement de jeux durant la JDQ où t'as des gens qui dosent, qui sont tellement forts, qui ont une exécution quasiment irréprochable. Donc tu te dis, mais les jeux, en fait, ils sont simples et tout, quoi. Et puis, bah voilà, c'est dans ce genre d'exemple. Ils auraient dû faire ça aussi pour TGM, quoi. Prendre un mec lambda et le faire jouer dans la salle, il aurait plus rien. Ils auraient dû le mettre en TADS. Et c'est vrai que des fois, on le fait avec la Team Super Play Live, on montre ça pour vraiment, voilà, dire qu'il y a quand même une réelle difficulté de base, quoi. C'est pas des jeux, surtout comme hier, je sais pas si vous avez pu assister à cette magnifique relais rail sur Ninja Gaiden, quoi. Mais quand tu sais combien c'est dur, Ninja Gaiden, Gaiden, quoi. Quand tu vois les engins qui finissent à la seconde près avec une relais race où il y a deux équipes de trois joueurs, tu fais, mais vous les avez trouvés où, quoi? Ah, ces mecs qui voient la frame. Allez, là, encore une fois, pas mal d'obstacles à passer, grosse accélération, il est passé juste sur le premier obstacle. Petit passage en conteneur, la grosse poutre. J'aime quand tu passes sur ma grosse poutre. Allez, autre conteneur. Hop, attendez, ça sur le pneu. Et là, c'est vraiment, vraiment ça. Extrême, là, ça pardonne pas. Petit obstacle, très ardu. On enchaîne, hop, passage sur les rochers. Oh, il continue, il va complètement finir le jeu. Hein. Là, si vous arrêtez pas The Blaze, il vous fait tout. Hein. Il fait tous les trophées, il débloque la console. Il attaque Trial Fusion après. Hein. On est encore là jusqu'à minuit. Hein. Faut pas que vous aimez la moto. Ah, les passages au même niveau, il est obligé de s'arrêter. Moi, il sait que l'accélération qu'il va devoir fournir derrière est difficile. Oh, petit passage sur la roue avant pour rééquilibrer, repasser sur la roue arrière. Nickel, au millimètre, hein, pour faire retomber la roue arrière juste sur ce qu'il faut, du bout du pixel, voxel de la plateforme, on sait pas. Hop. Ah, il a presque fini, non, on sait pas. Allez, allez, on s'approche de la fin. Il jette dessus sans problème, là. La moto qui se bloque sans bouger. Grâce au contrôle parfait de son pilote.
Allez, allez, allez. Ah, il y en a encore, il y en a encore, c'est pas fini. Ah là, on a vu hein, le petit impulsion donné au sol pour réussir à sauter sur le tremplin. Aïe, aïe, attention, c'est dur. Pas finir en merguez. Hop. Ah, oula, oh là 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 là, il a roulé. Non mais sérieux, t'as roulé avec ta roue avant, t'as profité encore de l'inertie, t'as roulé avec la roue avant qui a tourné, ça a fait monter la moto le long du conteneur et il est passé. Allez, oh là 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 là, cet enchaînement pour ce circuit de l'infini. Ah, elle est assez connue cette piste là, pas mal de gens qui expliquent d'ailleurs pas mal le bunny hop. J'avais vu des tutoriaux qui expliquaient le bunny hop à partir de cette piste. Attention, elle peut finir en saucisson. Oh, c'était tellement maîtrisé ça, tellement maîtrisé. Mais oui, je connais Amnesia, bien sûr que je connais Amnesia. Je sais pas, ouais, non, c'est vrai qu'il n'était pas. Donc Amnesia qui est un joueur de TGM. Je sais pas après comment ça s'est passé pour contacter et pour regrouper les joueurs. Ah oui, donc là c'est assez drôle. Vous avez vu la bûche, je sais pas comment appeler ça, on sort des fers de Noël, la bûche là, il bougeait comme ça. Ouais, donc du coup il est obligé d'attendre parce qu'elle a un pattern donc apparemment qui se répète. Ah oui, sauf que ah ouais, ça devient particulièrement spécial là, la maniabilité ici. D'accord, donc là ce qu'il explique, tout l'environnement est en random donc on sait pas trop ce qui va se passer. La bim. Tu l'as senti la grosse bûche. Là, il est en train d'expliquer, il est en train de loader qu'il va nous montrer un glitch. Et la meilleure forme de ce glitch. Chargement, chargement. Pendant ce temps, Pat Le Gain, vous avez vu, à la frame, a changé le layout. Quelle réalisation, hein. Okay, we're good. Yep, good. Ça y est. Bah, ah, il a merdé un peu avec son layout, il l'avait désactivé. Ah oui, là il est obligé en fait de montrer une vidéo tellement c'est difficile. Il voulait juste le montrer en fait. Il va nous faire cette moto bleu blanc rouge. Ah d'accord, il utilise en fait le côté aléatoire de la bûche pour réussir à être projeté, c'est peut-être ça qu'il voulait montrer. Ah ok, c'est ça qu'il voulait montrer, la projection directement au fond de la bûche, ça c'était assez fun ça. Ah, cette catapulte infernale. Nice. Nice, nice. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite démonstration. C'est vrai que c'est vraiment une petite exhibition, mais quand on connaît The Blaze avec son gilet là, Trail Fusion, il fait quand même de la pub pour Trail Fusion. Hein. Il ose. Peut-être qu'il y joue beaucoup aussi. Hein. J'espère qu'en tout cas, bah, vous serez bien marrés. C'est vrai que c'était vraiment sympa. On a vu quand même pas mal de tech. Il a fait un petit peu le show, The Blaze. Il a montré pas mal de techniques. Après, voilà, bon, je pensais qu'on allait avoir, vu le temps annoncé, vous voyez, je pensais, moi, j'étais parti dans mon idée d'avoir un Ultrax speedrun, et puis en fait, c'était pas du tout ça. C'était au final une petite démonstration exhib en partant sur un new game, et c'était vraiment, vraiment très, très sympa de voir la dextérité de The Blaze. Donc, vous voulez peut-être croiser, parce que quand vous jouez en ligne, vous avez peut-être chargé ces ghosts. Vous avez vu ce mec qui est toujours à 15 km de vous sur une piste qui n'en fait que 5. C'est ça. The Blaze. En tout cas, magnifique hein, démonstration encore une fois, c'était GDQ. Oh, alors qu'on n'est pas loin hein, des 600 000 dollars de dons, n'hésitez pas bien sûr à participer aux différents challenges, vous aussi à faire votre petit don pour eh bien, soutenir cet événement du jeu vidéo qui permet de montrer que bah, les joueurs de jeux vidéo ils sont capables de faire des choses bien. Vous voyez, ça c'est important quand même. Et c'est cette fête du speedrun, mais aussi quelque part cette fête du jeu vidéo. Vous voyez que c'est de plus en plus relayé hein, dans les différents sites généralistes, cet AJDQ, vu l'ampleur que ça prend. Et noble initiative que celle-ci. Alors j'ai été rejoint, je crois, il me semble. Bon. Oui, je suis là. Ah, salut à toi, Sinel. Je ne savais pas que c'était toi pour ouais. Pilotwings 64. D'accord, ouais. Bah, j'espère que ça va se passer. Tu es en forme? Ça va, j'ai dormi. Ça va, pas trop fatigué, ouais, tu as dormi cette fois-ci.
C'est pas mal. Ouais, c'est vrai que le rythme là de la GDQ est un peu difficile. Bon, écoute, moi je te quitte vite fait parce que je suis censé streamer sur Gaming Live, là, comme tu le vois. Donc je m'éclipse et écoute, bon courage à toi pour ce commentaire de Palo Quiz. Oui, de Live à voir aussi. Puis moi ce soir, vous pouvez me retrouver, alors je sais plus à quelle heure c'est prévu, mais non, mais je pense en début de soirée pour le commentaire de Metroid Prime qui sera joué par Miles. Donc à tout à l'heure. Voilà, merci de suivre cette AGDQ sur Restream FR. Amusez-vous bien et passez un très très bon moment en compagnie de Sinaël. À tout à l'heure. Ciao. Ciao. Et qu'on va retrouver Pilotwings 64, ça va être une race à 3 joueurs. Ce qui est assez ironique en fait, c'est que de manière générale, il n'y a que 3 runners de Pilotwings. Il y a 3 joueurs qui sont sous les 30 minutes et après on passe à 40 puis à 1 heure. Donc voilà. Mais du coup, on a les 3 joueurs qui sont là pour la GDQ. C'est pas mal. C'est assez étonnant parce que Pilotwings 64, c'est clairement pas le jeu le plus hype qui soit niveau speedrun, évidemment. Ce qui est assez marrant, c'est de... Si vous vous souvenez, l'an dernier, il y avait déjà eu un run de Graviton, justement, qui a le record du monde sur le jeu. Et il avait pété un record en live sur Pilotwings 64, justement. Qui est, bon, tout à fait justifié par le fait que le jeu n'est pas beaucoup run et qu'il a juste eu une très bonne run. Ça arrive, heureusement. Donc là, à 3, je... voilà, hold your horses, comme on dit. Je doute que l'on reproduise... ce qui s'est passé l'an dernier, mais c'est ton jeu. En marathon, faut pas trop courir après, faut pas trop espérer. Du coup, 3 joueurs, ouais, Graviton, Sion et Derek Clark. Le PB de Graviton est de 26-41, celui de Sion est de 27-47, et celui d'Imperfect Clark, ou Derek Clark si vous préférez, est de 29-53. Ce sont les 3 seuls temps qui sont sous les 30 minutes, c'est pour ça que l'estimate est légèrement au-dessus, il est à 35 minutes. Il n'y a pas des masses de trivia nulle à sortir sur Pilotwings 64, malheureusement. Si ce n'est que c'est un des 3 jeux de lancement de la console. Avec Mario 64 et je ne sais pas le troisième. J'ai cherché. Et je ne l'ai pas trouvé. Mais bon, ça c'est 3 jeux de lancement au Japon, parce qu'aux États-Unis et en Europe, c'était Mario 64 et Pilotwings, en l'occurrence, seulement. Pendant que ça c'est top. Donc Pilotwings 64, bien sûr, qui fait suite à premier Pilotwings sur Super NES, qui était entre guillemets un jeu plus ou moins expérimental par rapport au mode 7, qui était un jeu de simulation aérienne avec 4 engins, 4 véhicules, on va dire, à manipuler. Là, on n'en a que 3 dans cette version-là. Par contre, on est passé, entre guillemets, à de la vraie 3D, contrairement au mode 7, qui n'en était pas.